Bien soir sur le Wrestling Ball Live qui est en furie ce soir, qui est en mode guignol, le guignol. Et on va peut-être avoir aussi un petit mode guignol sur la piste avec une petite surprise dans les slots concoctée par notre ami Polo. Bonsoir Polo. Bonsoir, salut à tous les gars. Et oui, petite surprise, bah, surprise qui n'en est pas une, hein. C'est pas un slot aléatoire, mais oui, effectivement, slot pluie, ça va être du régal. Ah, ça va être humide, humide. Alors en plus, je crois que de mémoire, c'est un slot numéro 2, quoi. Hein. T'as pas mis le 1, dire allez, on attaque sous l'orage et puis après on finit tranquille. Le départ sous la pluie, quand même. Hein. Je préfère un verrouille, un départ sur le sec. Par contre, ça va faire 7-8 tours sur le sec et puis tout de suite la pluie qui va s'inviter. Donc on va manche 4. Manche 4 et un Watkins. Là, on retrouve tous les gros clients sauf Corsica et Moby qui sont des deux. Allez, malheureux, oui. Il en faut bien hein, qu'il parte en des deux en même temps. Bon voilà, chacun son tour. Ça, hein. Par contre, Smoky qui revient bien. Et là, je peux Smoky 23 points. Contre les dents. Ouais, 23 points. Mais alors attention, Smoky il a fuité là. Il a dit hein, What is Glenn, je serai en D1. Et les gars, attention. Parce que ah bah, il va aller chicorer les petits points des camarades en fait. C'est ça qu'il va aller faire là, parce que mais bon, on sait pas, hein, il peut se passer plein de choses là, depuis le début de championnat là. Déjà, t'as perdu une statistique, enfin un sondage, un pari là. On avait parié entre Samitraï et Team Evo. Je pense que t'es knock-out. Ok, bah alors là, tout de suite, je vais voter pour Smoky. Je te laisse caler ton vote. Vas-y. Alors sur la course, oh putain, moi j'ai rien suivi des chronos, des machins, des trucs. Évidemment, tu as donné aucun indice, j'ai même pas un tour d'essai. Donc on va y aller au flair. On va y aller au flair et Smoky. Smoky avec qui il pourrait sur Walking Lanes. C'est pas le circuit le plus technique du monde. La preuve, j'ai fait une P3 l'autre jour, donc il doit pas être bien compliqué. D'un autre côté, il faut être endurant. Donc c'est un pilote endurant qui va aller le concurrencer devant. Ouais, allez, mais pas 100 ans, en fait, surtout les voitures là. Donc je dirais. Allez, Senna. Je reste sur Senna. Allez, Senna. Voilà, pas mal. J'aurais hésité Joker Senna, mais pas mal. Bon, le petit tour des voitures, tu veux noter les voitures? Oui, et j'avais commencé d'ailleurs dans le salon, mais j'ai arrêté parce que je me suis dit, on va pas diffuser dans le salon tout ça. On était 18 dans le salon et bientôt ça va être interdit. Donc, allez. Allez, bon, Alonso, Mégane. Ouais, alors Alonso, Mégane en numéro 4. Et c'est son deuxième choix de Mégane. Gaz Merco, je glisse là dans la chicane. Merco, c'est la première fois qu'il prend la Merco, Gaz. Ah, Jobless Megan. Jobless. Deuxième Megan utilisé pour Jobless. Ah, Smoky Megan. Smoky, deuxième utilisation de la Megan. Senna Merco. Ah, en plus il a pris la Merco Senna, donc j'ai parié sur lui peut-être un peu vite, on verra. Ah, New York Merco, New York premier du championnat avec la Merco, là, ça va être chaud ce soir. Yes, ah bah avec Senna aussi, hein, qui. Attends, mais je me deuxième du championnat, Fred, 3 points entre les deux. Fred en Mégane. Mégane. Qui arrive de la D2, hein, Mazix Fred. La D2, c'est ça. Lorenzo Merco. Hop. Ah, pardon. C'est bon. Manu, Mégane. Deuxième Mégane pour Manu. Espion, Mégane. Ah, Espion qui a réussi à rester en D1, mais par contre il utilise sa dernière Mégane là. Hein. Ah, Yamshir en Mégane. Première Mégane pour Yamshir. Team Evo en Mégane. En Mégane. Alonso en Mégane. Ah, je peux te dire qui c'est qui me manque. Joker Mégane. Smog. Joker Mégane, ok. Smog, il est où Smog? Smog dans le flou là, le flou artistique. Ah, Merco pour Smog. Mazix Fred m'a dit Gawel, ouais, Mégane. Gawel. Deuxième Mégane pour Gawel. Ensuite, écoute, j'ai l'air d'avoir tout le monde. Allez, bon, Gévalou. Gévalou. Gévalou qui est en Mégane également. Gévalou là qui a connexion rouge, donc on espère qu'on va réussir à le garder jusqu'au bout. Ouais, écoute, Gévalou, comme la semaine dernière, bon, ça lag pas trop, là on le voit, hein, pas de lag. Aucune DM ce soir, les gars, aucune DM, et c'est un très bon choix parce que. Gévalou, il chauffe les pneus, mais. À chaque fois que je filme, il chauffe les pneus, mais ouais, ça gêne.
Bon, c'est les essais, hein. Voilà, qui s'entraîne un peu pour la qualif, là, tout de suite, comment est-ce qu'il va chauffer les pneus. C'est vrai que c'est... C'est quoi ? Moi, j'ai vu un 2 tours, il faut 2 tours pour chauffer les pneus. 3e tour, tu peux commencer à attaquer, c'est pas vraiment ça, c'est vraiment 4e tour, tu commences à être un peu optimal, quoi. Écoute, ça dépend du stable, du lâche, ça dépend si tu chauffes les pneus arrière, il y a beaucoup de paramètres qui vont entrer en jeu, en tout cas, aucune BM ce soir. Et c'est normal, hein, puisque la BM sous la pluie, on le sait. La chicane du bus stop qui va être détrempée. Et honnêtement, là, la BM, elle paye pas. Senna avec 4 en 12 points. Donc j'ai parié sur lui. Là. Alors, je pense qu'en fait, il a une revanche à prendre, Senna, un petit peu mentalement. Donc il va être fort ce soir pour faire la démonstration qu'il peut faire une belle position sans fermer la porte à Joker. De suite, ça place le décor. Allez, bim, tiens, Senna, prends-toi ça. Un petit rappel du classement, hein. Donc New York qui vient nous choper le leadership là, Corsica qui était premier là, la semaine dernière, mais il rate sa course avec Mobula, Corsica qui nous fait 2-3 pits, il casse la voiture, du coup il repasse P4 au championnat, et en plus il repasse en D2, là il va perdre gros, donc New York a la pression, hein. Leader du championnat, fraîchement TX3, je peux te dire que bon, ça va être bouillon pour lui. Senna derrière à 3 points. Lorenzo qui a raté sa course la semaine dernière, mais oui, qui se maintient en D1, donc dans la course, là 89 ouais, points. Ah ouais, il est à 6 points du leadership. Toujours dans la course. Corsica, Gaz à 5 points de Corsica. Par contre, Gaz, à mon avis, il pourrait repasser P4 sauf drame. Ouais. Attends, il pleut pas encore. Oui, on va attendre la pluie pour Gaz. Smoke P6, et Smoke constant. Smoke, c'est bien, je suis content pour Smoke là, 80 points, il a 2 points derrière Gaz, 7 points derrière Corsica, ça devrait repasser devant Corsica techniquement. Alonso P7, pas mal avec Zeko et Yamshir. Oula, Alonso, Yamshir, ex-Zeko au championnat, ils ont tous les deux pris 2 fois la Merco. Voilà, ça va commencer à se resserrer, hein. Course 4 sur 9. On va commencer à calculer un peu tout ça, mais. Alors, ah bah, carrément. Hop, l'indicateur de vitesse, la carte, on est bon. Ah, Z-Manu, je l'ai vu rouler, Z-Manu peut faire quelque chose. Là, il est P11, il avait raté un peu la première à Fuji avec son carton, on s'en rappelle, mais là, je l'ai vu rouler, il est dans les chronos. Mais il est incroyable, Z-Manu, sur ce championnat, quand même. Ah, il est incroyable. La naissance de Z-Manu, quoi. La renaissance, ou même la naissance. La naissance, complètement. Écoute, ça, il s'entraîne, ça marche. Donc, Corsica, Moby et Fuji qui descendent, et on a Diables, Fred et Smokey qui montent. Tout à fait. Alors, Smokey a l'amour au championnat, mais alors attention, ça va rouler fort. Ouais. Diables c'est bien, hein. Diables c'est bien, qui remonte en D1. Et qui revient, il a fait une semaine en début là. Et puis Fred, pareil, hein. Fred, petit nouveau chez la Mazik, ça, le frère de Gawel. Ah bah il tourne sur le touring car aussi, il tourne fort, je crois. Hein. Il tourne, hein. Fred tourne pareil, fort, qui est en puissance là. C'est en train de monter en level semaine après semaine. Et j'ai vraiment hâte de voir là, Gawel, Fred, ce qu'il va nous faire. Mais carrément, là, parce qu'il avait roulé sur Perfect Cup et on avait été surpris. Déjà, il est arrivé en D1 à un moment donné là. Ah ouais, je l'avais sous-estimé un peu au début. Je vois la Mazix qu'il recrute. Bon, avec son frère qui était déjà à Mazix un peu avant lui. Mais non, c'est pas pour rien. Fred qui a vraiment, vraiment le level. Bon potentiel, ouais. Ah, et je verrais Fred, là, je le verrais top 8, top 7. Ah, moi j'aurais même presque visé un top 5. On va avoir des surprises ce soir, j'en suis sûr. On va avoir des surprises ce soir, tu vas voir. Basic Fred, pour moi, là, je regarde un petit peu ce qui se passe partout sur les championnats, tout ça. C'est quand même un des pilotes en forme en ce moment. C'est ce que je dis. Fred, complètement en forme. Je pense qu'il est largement capable d'un top 5, tu vois. On va voir, c'est la pluie. La pluie, ça va être le juge de paix, là, ce soir, évidemment. Top 5 en fin de course. Ouais, pour l'instant, on va se concentrer sur les qualifs, là, mais déjà. Moi, je verrais bien Smokey nous chercher une pole. Alors, ça a roulé un peu que Joker, ils sont à peu près dans le même chrono, mais Smokey a un petit avantage et il m'a dit attention, tu vas voir là, je vais te sortir un chrono de l'improbable. Ça serait intéressant quand on va arriver là vers le 3e ou 4e tour là, de faire un tour complet avec Smokey. Bah là, tiens, on peut déjà commencer là, éventuellement. Ah, Smokey qui part, hein, donc premier virage, petite bosse en entrée, compression, en aspiration. En aspiration avec Senna. Il avait dit, hein, pareil, Senna qui aime bien rouler avec Smokey en qualif. Non, c'est pas Senna, c'est qui ? C'est Joker. Non, c'est Senna. Si, c'est Senna. C'est Senna. Mais Senna...
il a laissé passer. Senna qui est encore en Mercos, Senna. Et ouais. C'est incroyable, Senna qui a déjà craqué deux Mercos. Bah ouais, il s'en débarrasse. Bah, c'est ça, troisième. Il s'en débarrasse et Senna qui aura plus besoin de prendre la Merco pour le reste du champ. Ouais. C'est pas mal, c'est une bonne stratégie, monsieur. Sur les dernières courses, on va voir. Il y en a qui vont se faire avoir à devoir prendre des voitures qui vont pas être au point pour les combos. Basix Fahrenheit sur YouTube qui dit bonsoir les gars, bon commentary, bonne course au pilote, merci à toi, bonsoir salut aussi, Fahrenheit. Ainsi que V Joker qui dit salut les gars, salut V Joker. Ah, Joker XLR, Joker XLR, super qui va sûrement commenter mercredi prochain avec Gaz et moi pour le championnat XLR. Il me semble que j'ai roulé la même jour que lui avec Joker, XLR Joker, quand j'ai roulé. C'est possible, Fahrenheit, j'ai commenté avec lui dimanche soir oui. Sur RTS. Ouais, c'était super, on s'est régalé. Et apparemment, allez, premier chrono, Joker 50.6. Ouais, place un peu le décor, Joker qui peut être en 49 là, bon, est-ce que ça va sortir? Alonso 51.1. New York, hein, New quand York. Même, qui marque son territoire là, pour le coup. New York qui vient de se faire passer par Lorenzo, ça commence à placer les chronos. Hein. Ça y est, Jobless, 59.9. 5. Bon, pour l'instant, voilà. Pour l'instant, ça reste des chronos. Oula, attention, Jobless un peu gêné. Ouais. Il est passé sur deux roues, là, le pilote qui était devant lui, ouais, qui est derrière. T'es pas obligé de laisser passer, on le sait, en qualif, tu peux avoir ton rythme. Ah non, c'est au pilote de derrière de doubler. C'est pas parce qu'il est plus rapide ou qu'il a une seconde de mieux sur les chronos que tu dois forcément ouvrir la trace. Ah non, les qualifs, c'est les qualifs, il n'y a pas de... Ah, c'est les qualifs, hein. Chacun fait de son mieux. Tout le monde, il est égal. Espion, il s'est pas trop entraîné, là. Une seconde et demie de retard pour le moment. Il a fait une P13 la semaine dernière, c'était tout juste pour rester en D1. Peut-être qu'il pourrait nous surprendre aussi, hein, un moment espion, parce que déjà, moi, je suis surpris dès le départ de le voir rester en D1. Il y a carrément des sacrés clients dans la D1, là. Pour moi, espion, il a le niveau vraiment limite, intermédiaire entre D1 et D2. On l'a vu, hein, P13, là, je pense que il a gardé le même objectif. Hein, P13 avec la pluie, il y a du gros client, Smokey est revenu. Bon, il manque Corsica, mais il y a du client. Bah là où ça risque vraiment de chauffer, c'est aussi la semaine prochaine, hein, parce que je suppose que Corsica, Damoby risque de revenir aussi. La semaine prochaine Monaco. Alors, on va en parler Monaco. Que... Ça avec un beau cycle, jour nuit. Il est où team 51-7, pas mal. Bon, les chronos vont tomber là, ça y est, 50.0. Ça va commencer là. Pour Joker. Joker, pas loin du 49. Allez, tiens, un petit tour avec Joker, voir là. Et il pourrait être dans un bon tour là, mais il a pas la spi, mais bon. Alors on a les gaps là en bout de ligne droite, on va voir. Oh, il est à l'attaque là, en tout cas. Il est à l'attaque là, pour l'instant. On va voir son freinage de la chicane là. C'est plutôt en retenue ou en attaque. Il reste 8 minutes. Bon, 144 de retard. Ça accroche un petit peu. Prudent. Il y a la bourre. Alonso. Il fait un tout droit là. Alonso qui a eu la pena. Diable SP3 là, pas mal. 50.6. On va voir le gap là. Il y a quelqu'un derrière. Tim Evo qui retourne au stand. Il est en retard. Senna, le gap pareil. Est-ce que ça améliore? Senna, on avance un petit peu. Un dixième. Devant, on sait qui ça. Ouais, voilà. Fred, 50 points. Et oui, je l'avais dit, Fred. Fred qui est en forme. Il est en forme, j'ai vu. Tu dis top 8, moi je te dis top 5. Hein. Oh, ouais. J'ai toujours sous-estimé, mais écoute, il est nouveau. Je suis étonné de le voir. J'ai vu sur les dernières courses, j'ai vu le progresser, franchement. Moi je le vois en entraînement, mais après, entre l'entraînement et la course, il y a quand même. Une différence, on va voir. Mais bon, là, Fred, 50.1, il se met bien. Ah bah, il se place bien, là, hein, pour le coup. Allez, go, Mazix, dit Fahrenheit sur YouTube, évidemment. Je m'étonne, Fahrenheit, Fred, super recrue, les gars. Je vais pas dire qu'on l'a raté chez TX3, parce que c'était étonnant de le voir rouler aussi bien et de progresser, surtout, aussi rapidement. Ah, ça a l'air de lui plaire, le sim racing. Ah, puis je pense qu'il voulait surtout être avec son frère, aussi, les deux font la paire. Moi j'ai le frangin qui fait aussi, mais il est pas assez constant et voilà. Bon après là, il fait faire son championnat. Surtout absent. Et voilà, il est pas assez constant. Non mais c'est à cause du travail, hein. Le problème c'est que c'est ça.
Pour la préqualif, il y avait deux jours, écoute, je suis pas présenté sur les deux préqualifs. Non, mais il s'est fait Non, en fait, il s'est fait déconnecter, hein, je lui ai redemandé. Il s'est fait déconnecter du truc, il avait pas réussi à revenir. De mémoire. Ce qu'il va dire. Oula, 49.6. Elle lève la smoke, ça t'en avais parlé. Ah, 49, alors c'est pas un 49 haut, hein, mais un 49. Ah ouais, c'est un 49.632. Oh là là. Bon là, il y a l'aspi. Et Joker qui est au stand, hein, en attendant. Ah ouais, Joker qui repart avec 4 balles neuves là pour essayer de remettre. Ah ouais, mais Smokey qui va doubler. Ouais, il va être un peu moins bien placé peut-être pour prendre la chicane là. Dixième, mais... Oh, ah là, il va peut-être un peu trop extérieur. Oh, ça passe bien quand même. Ça passe, ouais. Ça passe bien que le dépassement. Il a profité de l'aspiration. Ouais. Et là aussi, Joker, il va en profiter aussi. Oh, est-ce que Smokey va améliorer? Il avait 2 dixièmes d'avance hein, sur le premier secteur. Ah, il va être à l'attaque là, maintenant qu'il a pris la tête. De manière nette et franche, il va être à l'attaque là. Encore plus. Le droit qui arrive là, c'est sa spécialité. Celui-là, ce virage-là. Et troisième. Et celui-là, je l'avais compris, hein. J'avais fini par le comprendre, ce virage-là. C'est vraiment à la tangente, tu réaccélères tout de suite, quoi. T'as un freinage. Il y a quelque chose dans ce virage-là. Faut vraiment le comprendre, ce virage. Mais... Écoute, il est toujours en avance. 162. Ah, ça sent le 49.5 là. 49.5, je peux dire qu'il va plier les chronos parce que j'ai jamais vu personne faire mieux que ça, à part lui. Joker qui doit dire, je roule P2, peut-être essayer de mettre la P2, ça va, bon, il perd le point de la... C'est important là pour Joker, il peut revenir Joker, je pense, avec des théâtres. C'est important pour tout le monde, Smokey, Joker, tout le monde est en charge de points. Ah, Joker, 23 points, ça va être compliqué, hein. Ça va être très compliqué si les concurrents sont constants. Oh, il s'est amélioré de... 5 millions, hein. Joker qui améliore pas, Fred. Ah, Yamcha, P4, pas mal, hein. 50.4... Alonso, je l'attendais top 5, on va voir si ça tient. On va voir, ouais, Alonso qui a fait une belle course la semaine dernière. Jables, 4 minutes, 5 minutes là. On peut retenter, pareil, espion, faut relancer la machine là. Et pour l'instant, c'est Givalo hein, qui ferme la marche devant Team, en 15ème position. Gawel, 50.8, Senna, 50.9 par rapport à Senna et Merco. En tout cas, ils sont 9 en 50, à part Smokey qui est en 49. Après, la course va être longue, hein. La course va être longue, elle va être coupée en 3 épisodes météorologiques, pardon. Et donc, voilà. Ah ouais. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des ravitaillements? Ça en a un peu parlé, mais... Alors moi, je t'annonce direct qu'il va y avoir 2 pits. 2 pits, donc changement de pneus, évidemment. Les pneus pluie sur le premier quart de course. Et les pneus secs qui vont être, pour mon avis, quasi obligatoires. Alors, j'ai pas fait de course d'une heure, je sais pas trop comment la piste va évoluer, les flaques, est-ce que ça va sécher, mais à mon avis... Alors, on va peut-être vivre quelques petits coups de bluff. Oula, Textro Lorenzo, là. Non, j'allais dire c'est lag. Non, c'est pas du lag. C'est pas du lag. Ah, Lorenzo, une galère, une 51. C'est Lorenzo, dis donc. Ah, New York, pareil. Hey, New York, tout 51. Incroyable. New York. Premier incroyable. Jobless qui est 6ème, Espion 7ème. Bon, attends, c'est la Merco. Mazix Fred 8ème, voilà, quand même. Hein. Les gaz, Merco, on les voit, Merco. Bon, Smoke, par contre, Smoke avec la Mégane. Ah, c'est surprenant la Smoke. Team pareil, hein, Team en Mégane. Team qui fait un peu de drift là. Pena, tour annulé. Et Valou. Valou avec la Mégane aussi. Mégane, pas de lag, les chronos sont plutôt. Plutôt serré, hein, 2 secondes 2 là sur tout le temps. Là, ouais, il me semblait quand même que la Mégane tournait bien mieux que la Merco sur ce tour. Ah, il y a une seconde. Il y a une seconde. Une seconde, c'est important quand même sur un tour. Deuxième pilote en 49. Et c'est Joker. Joker, voilà, 49.9, il est dans ses chronos. Il peut aller chercher 1 ou 2 dixièmes. Par contre. Oula, et Fred, hein. Fred, la P2. Non. Fred, la attends, P2. Attends, Fred, calme-toi. J'ai dit, moi, je te dis un top 5 pour Fred. Oh non, bah attends. Et peut-être bien une victoire, pourquoi pas. Oh là là, une victoire de Fred, ça serait tout juste. Le voilà le concurrent que je cherchais ce soir pour Smokey tout à l'heure. Et Smokey lui fait un concurrent. On aime bien les... Attends. Les affiches. Fred en calif. En calif, c'est une chose. Après, dans la meute, c'est pas une victoire. Ouais, mais dans la meute, il va être devant, là, quand même, hein. Il va être devant, mais Fred, il est tellement nouveau que
Et il va être entre Joker et Smokey, si ça part comme ça. Ouais, il va être entre Joker et Smokey, Fred. Ah bah là, je te raconte pas la presse quand tu pars entre les deux en championnat sur une course d'une heure. Ça m'attendre pas que Fred lâche une place ou deux en sécurité, hein, pas au niveau pilotage, mais en se disant bon. Ah, je sais pas, je le connais trop peu pour vraiment savoir comment il va aborder. Ah, il est proche de Smokey quand même, hein, au niveau temps de qualif, là, dis donc. Bah, grosse impression de Fred, je suis vraiment étonné, parce que 49.7, perso, je suis en 50.3. Je suis pas surpris, je te dis, moi, je l'ai vu progresser là, sur les résultats, sur Facebook, sur le championnat, tout ça. T'es pas surpris. Alors, championnat RTS, c'est une chose, championnat X3. Non, c'est pas forcément la nature des championnats auxquels il a participé que j'ai regardé. C'est ses résultats à lui, tu vois, en tant que pilote. Ah, ses résultats sont toujours par rapport à d'autres pilotes. Ouais, mais ça fait un moment que tu vois, il est exponentiel, quoi, dans sa progression. Tu te dis, ça, c'est un pilote qui va exploser, ça. Et ben voilà, bah, écoute, c'est peut-être ce soir, tu vois. Je commençais à me le dire la semaine dernière. Là, cette semaine, j'ai commencé à me le dire un peu plus, et alors là. Joker qui s'améliore, mais c'est pas suffisant encore, hein, pour aller prendre la P2. Et Gabriel qui doit se dire le petit frère, attention, hein, il t'a calé une seconde. Ah ouais, carrément, quoi. Une seconde .097. Ah, espion il est bien aussi, hein. Espion P7 là, pas vraiment. Il est bien, eh les gars, dernier tour là, on arrive. Oh, est-ce que. Il y a bien P4, Pierre, c'est ça vient pas pour s'améliorer. Alonso plutôt serré. Part sur un tour 9. Hein. Ah, il va rester un tour, hein, c'est ça. Jobless, son dernier tour à venir. Jobless 7ème. Ah, il s'améliore. Là, les mecs qui sont pas arrêtés, ils ont des pneus en fin de run. Dur d'améliorer. Hein. Ouais, c'est vraiment. Depuis le début, tu roules avec le même train de pneus. Pff, c'est chaud. Alors, Joker, bon, Smokey, on va pas être embêté. Ça va batailler devant et on va avoir quand même un petit groupe en tête là, me semble-t-il, avec un Mazix Fred au milieu, comme tu dis, qui a pas trop l'habitude de la course en meute, avec des TX3 un petit peu énervé. Il a pas l'habitude d'être entre deux grands pilotes de rang TX3 là. Joker qui lag un peu étonnant, c'est rare de le voir laguer. Ouais, ça c'est vrai. Si tu mates la diffus, coupe là parce que ce serait dommage d'avoir une déco maintenant. Ouais, on le voit laguer, ouais, clairement. C'est pas du gros lag, mais on l'a vu hier. Je sais plus qui est-ce qui est à gauche, je crois qu'a lagué 15-20 secondes et puis la déco tout de suite derrière. C'est pas le bon moment, Joker, hein, pour la déco. On le voit là encore. Je sais pas s'il y a la pena ou. Ah, Joker sur la ligne. Et non, ça améliorera pas. C'est un peu trop Joker. Et à voir, il peut redescendre encore. C'est pas sa meilleure place, là, Joker, ce soir. Ouais, Lorenzo qui était un peu en galère, là, mais bon, c'est bon. Il a placé P4. Le chrono, 50.2, P4, c'est très bien. Est-ce qu'il était en amélioration, là ? Je n'ai pas fait attention. On ne sait pas, en tout cas, derrière, c'est Hopit. C'est Yamcher qui doit être derrière, là. Allez, Mazix Fahrenheit, hein, qui réagit. Fred est super rapide, il lui manque juste un peu d'expérience en close racing et ça va venir. Jobless qui va garder sa P7. Espion Alien, terminé. Et Gabriel est en chrono. P9. Oh, P9, il est redescendu. Qui c'est qui vient de passer la ligne là, qui s'est amélioré? Est-ce qu'il va s'améliorer, Smokey? Oh, joli Smokey, dernier tour, 49.5, contrat rempli, 49.5 là, chrono incroyable. On n'attendait plus que lui. Bah, très bien, nickel. Ah, ça fait plaisir de revoir Smokey en D1 là. Ah bah oui, carrément. 34. C'est un peu un poissard des fois Smokey sur, c'est vrai, sur certains championnats. Fred, voilà quoi. Fred, c'est bien 3, hein, ça, ça va bien. 2e, incroyable. Fred, je suis vraiment content là, c'est super Joker qui doit se dire oulala, mais c'est qui lui? Oui, d'où il sort? Oui, d'où il sort? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, TX3 derrière. Ah, il arrive de la D2, hein, faut le rappeler, Mazix Fred qui était en D2. Il arrive de la D2, complètement. Et direct, il colle une première ligne. Ah, écoute, je l'avais vu rouler, je savais qu'il était à l'aise, alors là, de là, nous faire un 49.7, vraiment incroyable. Gaz qui nous dit 2 secondes de la P1 à la P16, effectivement. Que 2 secondes d'écart. 2 secondes, 1 c'est incroyable. On sent vraiment le gros niveau. Le pilote qui. Pff, ouais, mais Gaz,
Oh, Gaz P14, étonnant, ouais. Parce que Gaz est 5e au championnat, Corsica est en D2, donc Gaz, tu joues vraiment, peut-être pas un podium, mais bon, on sait jamais. Là, la P14, New York P13, qualif compliqué avec la Merco, 51-3, Z-Manu, 50.9, bon, et de toute façon, il n'y a que des bons chronos. Hein. Ah bah oui. Espion. Ah, par contre espion. Mais ça pardonne pas là. Non mais là l'écart. C'est un smoky attends, là. Qui était déterminé là a priori. Il y a 3 dixièmes entre la P6 et la P12. 3 dixièmes. Dessert Zenmanu qui dit oulala c'est chaud mama c'est bon calme-toi Dessert Zenmanu. La pédale à gauche c'est le frein. Ça c'est celle du frein. Non celle de gauche c'est l'embrayage. Ouais alors si t'as les 3 pédales tout à gauche c'est l'embrayage. Voilà alors tu fais attention à Walking Lens, dès le départ il y a un virage à droite. Non Zenmanu qui a fait l'erreur mais écoute il a pas fait l'erreur. En plus je lui ai fait plein d'éloges tout à l'heure. Très belle progression, il se révèle. J'ai surpris là de voir du monde devant. Ah ouais, mais bon, Manu, il voit tordu devant, il voit Kawel, il voit Jablès. Et ouais. Il se dit là pour t'es pas la fête TSR hein, là. Jablès, il est P7. Hein. Eh ouais, il est revenu prendre. Super taf de Jablès. Oh là là, New York Gas, Team Evo. Le type de la Team TSR. J'ai déjà pas où je vais me placer pour le départ tellement ça va être électrique à mon avis dans tous les sens. Bah ouais parce que quand tu vois le début et le bas de tableau, bah dis donc il y a du lourd jusqu'en bas. Alors à part peut-être, bon c'est vrai Gévalou que je connais un peu moins. Mais de mémoire il roule très très bien. T'as Gaz P14, Gaz il va aller mettre son grain de sel, hein, c'est sûr. Gaz même avec la pluie il va aller mettre son grain de sel. Mais là au départ c'est New York devant. Et New York, bah ouais, mais les deux, ils vont les mettre leur grain de sel sur Zenmanu. C'est Zenmanu qui va se prendre un coup de pression, là, je pense, au départ. Zenmanu et Senna, P11, dis donc. P11 pour Senna, qu'est-ce que tu fous ? Eh, hey, mec ! Bah, la Merco, on savait qu'il y avait une seconde d'écart. Hein. Je veux dire, si tu mets une seconde. J'ai pas envie de prendre une seconde. Allez, là, c'est incroyable. Seconde, hein, ouais. Même une seconde sur Fred, ça fait 50.7. 50.7, ça te place P8. Ouais, donc P8, donc tous les mecs qui sont en Merco derrière la P8, bah il y avait moyen de gratter un peu mieux, je pense. C'est chaud bouillant ce soir, Racing Ball. Car Magnix 3, ça va faire mal. Ça va être la course décisive, hein. Quatrième course du championnat qui en compte de 9. Quatrième sur 9, il y aura pas de moitié de championnat parce que c'est un chiffre impair, mais ouais. Mais là vraiment, ouais. On arrive à un moment clair. Alors, hein. Et sur, si on m'avait dit que c'était New York, Senna, Lorenzo, bon, Senna, Lorenzo à la rigueur. Bon. Fred qui est P15 au championnat, Smoky qui est P25. Ouais, alors là, oui. Smoky qui a beaucoup à faire, Fred un peu moins, Joker, il est P10. Ça, c'est le principe des divisions, hein. Quand tu montes et tu descends, voilà. Bah forcément, t'as pas le droit à l'erreur. Hein. C'est un championnat, on l'a dit, t'as pas le droit à l'erreur. L'erreur, c'est. Descendre d'une division et puis bah t'as pratiquement un championnat perdu quoi sur une course. Donc là Lorenzo P3 au championnat et par P4 c'est plutôt pas mal. Par contre New York leader. New York ça va être compliqué là. Hein, après passer 12 York, pilotes. York, mais bon s'il y a deux pits ici il y a deux pits deux arrêts au stand bon. New York a pas pris la Merco une seule fois avec Gaz non plus, Smoke non plus. Yes. Et Moby qui ont les deux, ils n'avaient jamais pris la Mégane, donc la Merco. Ouais. Du coup, là, t'es obligé. Et ouais, mais on voit ah, c'est facile hein, d'être en tête du championnat en prenant. Mégane. Hein, en fait, les malins. Oui, mais là, quand tu dois prendre la Merco, c'est plus la même histoire. Et à mon avis, New York, il va perdre la tête du championnat ce soir. Et moi, les guignols là ce soir, les gars. En plus, il y a un Smoky qui est énervé devant, qui s'est mis tout en rouge là, avec la Mégane. Bon, j'avais calculé le temps un petit peu, hein, il va rester 20 secondes, 15 secondes là, voilà, avant les 21h40 de l'heure atomique de Racing Ball. Il restera 2 minutes au pilote pour se manifester sur la grille de départ en appuyant sur prêt. Voilà, course d'une heure, 4 slots couverts, orage, c'est le pire slot au niveau de la pluie, et 2 slots dégagés pour finir, les pneus, à mon avis, il va falloir changer les pneus deux fois. Ça va être chaud bouillant là. Le départ, je sais pas. J'ai pas une bonne intuition. Je sens bien qu'il va se passer un truc au départ. Oh là là, j'espère que dans la montée ça va passer parce que. Ah, je sens qu'il va se passer un truc, moi. Je sens.
Je sens qu'on va avoir des surprises. On a eu que des surprises depuis le départ. Là, ça devient presque la règle. Donc, je pense qu'il va se passer des choses encore. Déjà, quand tu vois la grille, je sais pas, TX3 Senna, 11e. Bon, ok. 14e pour Gaz. Gaz, 14e. Il est Gaz, il est 5e au championnat général. Calif raté. Calif raté, je pense qu'il aurait pu mieux faire, mais. Oh, un gaz, ouais, une P8, une P9, pff, avec la Merco, c'est chaud. Ouais, mais quand même. Quand même, ils se prennent une seconde et demie, là, les gars. Donc, il y a quand même encore une demi-seconde. Ils traînent, ouais, ouais, demi-seconde, mais bon. Oh, demi-seconde, c'est pas grand-chose, hein. 15 minutes de qualif. Après, moi, je dis, de toute façon, là, je ferai pas de pronostic plus que celui que j'ai fait. On a misé sur des pilotes, voilà. Donc, toi, t'as dit Smoky, moi, j'ai dit Senna. On n'a pas dit qu'ils étaient vainqueurs. On a dit qui sait qui sera devant l'autre, non, c'est ah ça. Ah oui, devant l'autre, exactement, ah, c'est ça. C'est ça. Hein. Voilà. Après, vainqueur, là, je peux pas faire de pari parce que franchement, ça devient impossible déjà sur ce championnat. Et puis alors, avec les conditions de ce soir, le deuxième slot en orage, ça va glisser légèrement quand même un petit ça peu. Ça va glisser. Le choix de, du tour pour changer les pneus, un tour de plus, un tour de moins. Oh, ça va être. Deux arrêts au stand, il suffit d'une boulette dans les stands, il suffit de rentrer ouais, trop bah, vite. Tiens, regarde, on est sur Alonso, en parlant de boulette dans les stands, Alonso, petite dédicace sur la course d'hier, encore 10 secondes de pénal rentrer dans les stands. Ouais, voilà. Alonso, Ah, il peut se passer beaucoup de choses. Ouais, mais erreur de débutant, Alonso, qui commence à plus être un débutant. Hein, ah non, ça va être parti. Attention, rouge. Vert, c'est parti. C'est parti. Ah, bon départ d'Alonso, ça va, il est. Ah, Joker, resté... Joker, non, Joker, ouais, il se fait prendre quand même. Bon, derrière, ça essaie de s'intégrer là. C'est chaud. Alors, là, ce Smoky qui est parti là. Ouh, ouais, un petit tampon là, que tu. C'est bien large là. Je sais pas ah, ouais, c'est Fred. C'est Fred. Ah, Fred, un petit tampon, Joker, j'espère que c'est pas le lag. Ah, Fred, faut pas qu'il soit trop introverti là hein, sur le départ parce qu'il va se faire bouffer direct. Oula, mec à l'intérieur là. C'est bien fait, c'est bien fait. C'est Mazix Fred qui est en train de s'écrouler. Mazix Fred. Ah ouais, il s'est écroulé, mais ouais, ouais, petit tampon de Joker là. J'espère que c'est pas le lac New York qui va être en attente, hein, pas trop le choix. Ah, Diables, Diables P5, pas mal. Oh, c'est pas qui s'est déjà envolé là, une seconde 2. Ah, il avait dit, il ne serait pas de place pour la concurrence ce soir. Et du coup, Joker, ouais, Joker qui a pris sa place, Yamshir. Alonso qui est à l'attaque. Qui a fait une belle course la semaine dernière. Tiens, un choqué Jobless qui a fait un bon départ. Hein, oui. 5 et 9. C'est là. Bon, Fred. Oh là là, Fred s'est complètement écroulé. Il s'est pris un coup de pression là, je crois, sur le départ. Oh, il y a encore une pénale là pour Fred. Fred, la P2, à la P14, le gaz qui passe. Fred dernier. Écoute, on reverra ça. J'ai pas l'impression d'avoir vu Joker laguer, mais. Il a pris une putain, c'est sûr, il est pas parti à l'extérieur tout seul. Il y a eu une petite star, une petite bafounette au passage, hein, je pense. Oh là là, devant Espion, Espion qui a déjà une péna. Espion qui a déjà une seconde, il va en prendre une, s'il n'est pas le pied. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Et Smoky qui s'est envolé là. Ah, il s'est envolé direct, il a mis une seconde et demie à tout le monde, direct le premier tour. Premier tour, Smoky sur la ligne, Joker P2. Bah écoute, s'il tourne comme ça pendant 10 tours, déjà tranquille, il va se mettre à l'abri. Yamshir avec il est capable, vraiment en contact derrière. Mais Jobless qui fait un très beau début de course là. Ouais, Jobless, pareil, tu vois les caméras. Jobless, joueur, joueur manette. Hein. Joueur manette, hein. Jobless, voir la P5 à la manette, c'est énorme. Ah, Smog, bon début de course ou là. Écoute, Smog avec la Merco, il est bien là, hein, mais c'est là, qui se fait prendre par un Zenmanu ou pas là. Ah, Zenmanu, c'est là, là, c'est chaud, c'est chaud. Ça va à 2, ça passe, hein, comme tu disais, c'est à 3, ça devient un peu plus compliqué. Ça passe, attention. Ah, attention à la chicane, hein, le freinage. Oula, en plus il y a du monde derrière. Il y a du monde. Oh, faut pas se louper là. Ah, c'est Zenmanu donc qui a pris le dessus sur Senna. C'est Senna, mais avec la Merco, Zenmanu qui recale l'inter là. Voilà, mais ah oui, pour un choix, ah oui, vraiment. Ça a été passé devant, tu vois. Eh non, et en plus il est toujours extérieur, mais il va revenir intérieur sur le prochain virage. Ah, il est repassé devant Senna, il va garder la ligne. Bon, il va garder la ligne, Senna, il va être malin. Il va ouvrir la porte là, évidemment, sur le prochain virage. Ouais. New York, bon début de course, un P10. Pas mal là, rattraper un peu sa qualif ratée. Ouais.
Ouais. Ah, il y a du taf là, hein, de... pour repasser devant haut, là. Il y a petite tentative. Il y a Valou derrière, et Gaz. Ah, team un peu décroché, dommage là. Valou, Fred, et Tordu. Ah, Tordu, il a dû se tordre. Oh là là, tout le monde passe. Oh, New York est hop, 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 c'est Masix Gawen là qui est parti au paquet, il s'est rattrapé. Oh, il s'est bien rattrapé, dis donc. Ouais, New York, beau réflexe aussi, le coup de volant là, super. Très beau réflexe là. Ah, ça lag encore. Ça un lag petit aussi peu, là. Gawel. Ah, Zedmani aussi. Ah, ça lag, hein, cette PSN qui est un petit peu tremblotant là depuis la mise à jour d'hier soir. On a connu pire, hein, mais pour l'instant ça passe. Il bon, y a Mchir qui fait une belle affaire pour le moment. Hein. Il l'a pas volé, il est pas mal en P3 là. X3. Ah, Smokey qui a calé sa seconde et demie là. Déjà en train de réfléchir un petit peu, pas tout envoyer, pas faire d'erreur. Ouais, non, surtout pas. Ah, Diable, ça tient pour la P5 là, Smog un peu décroché. Ah, Smog s'est décroché. Fait décrocher de 4 secondes là, Smog. Ah, 4 secondes, là, c'est là. Là, là. Diable qui est dans le bon peloton là, du top 5. Et Zedmanu à l'attaque, c'est super. Ouais, tiens, choc aussi, Zedmanu. Il y a l'habitude là, maintenant, Zedmanu là, de rouler close racing. Ah, New York la P10, alors un petit tour des pénales tout de suite là, voilà, 2 secondes pour New York, 2 secondes pour Lorenzo, 1 seconde pour Valou et 3 secondes pour Espion. Oh là là, New York ouais, encore Espion la pénale, faut qu'il se méfie, hein. Bah il faut qu'il se méfie, là Espion, à mon avis, la voiture abîmée, là, je vois perdre du temps. Troisième tour, laisse tomber. Ah, ça va être compliqué pour la P13, on n'est pas à l'abri encore d'erreur, mais... et New York encore qui claque une pénale dans les premiers tours, je l'ai dit. Ah, il y a peut-être une hiérarchie là qui va se replacer ce soir. Ah, il manque évidemment Corsica d'Amobi. Mais, on est bien parti pour revoir une démonstration de la TX3. Ça fait de la place pour aller claquer des jolies places là sur les courses. Ah, bah carrément. Je vois les chronos là. Alonso, toujours derrière Hampshire. Ça sécure un peu pour l'instant. De toute façon, à ce moment-là. Les pilotes qui sont déjà en train de se dire bon le slot pluie, bah, tout envoyer, ça sert à rien de prendre vraiment beaucoup de risques maintenant. Bah pour l'instant faut rester collé quoi, s'il y a des ouvertures je pense bah, évidemment faut les prendre, mais il faut surtout essayer de garder la bonne ligne, pas user trop les pneus, rester tranquillement, pas prendre trop de risques. Et je suis quand même étonné du gap smog là sur le jamless. Vu ce qui s'est passé, mais en tout cas le gap est fait là, il y a 5 secondes. Il est en merco Smog. Ah ouais, il est en merco, mais bon, 5 secondes sur 5 minutes, non, il y a eu quelque chose. Alors, en tous les cas, Diables P5 là, même s'il n'est pas forcément au niveau des chronos de la TX3 devant, il a une petite marge, il peut gérer sa course, et à mon avis. Ah, Diables est largement en mesure de garder le rythme. Hein, et surtout avec cette petite avance hein, qui va utiliser son petit en conclu. Alors évidemment, les jeux sont faits. Oh là, ça lag devant. Maintenant, on a dit, hein, deux arrêts au stand. Avec les lags et tout. Je te dis, on peut se passer plein de choses. Là, les déconnexions, les machins. Bah, imagine, je sais pas, t'as New York qui se fait déconnecter, Senna, ou, tu vois. À nouveau, les deux pilotes leaders qui partent en D2. Ça décale. Ça fait mal. On leur souhaite ça pas évidemment. Pour Manu. Manu qui s'est fait un petit peu. Qui se montre. Mais tu vois, il se montre, ça passe pas pour l'attaque et du coup. Il va se faire prendre l'intérieur attention. Oui, bien sûr. Ah, puis en plus, il est obligé de s'écarter, laisser la place maintenant. Puis il est pas dans le bon tempo là, voilà. Ah, voilà. Bah, le bon tempo, il veut caler une attaque, ça passe pas. Il perd du temps, du coup, Gawel qu'on profite tout de suite. Ah ouais, c'est comme ça que ça marche. Ah, ça lag, ça lag. Bon, Alonso toujours P4. Les caméras qui sont pas fun, hein, vraiment, sur le circuit. Oh ouais, non, mais vas-y, hein, monsieur le réalisateur, c'est toi qui décide, c'est toi qui as le feeling. Elle a été extra, Alonso, qui a fait très belle impression la semaine dernière, hein, sur Long Beach, du coup, avec sa P2. Carrément. Quatrième déjà en qualif aussi, hein. Il revient dans la course. Alonso P7 là, il faut du point. Bon, il a claqué deux Mercos, donc ça devrait mieux se profiler pour la fin du championnat. Ouais, c'est 3 Mégane.
Ah ouais, mais là, pas d'erreur, il a pas le droit. Là, je vois, pff, limite pour le pénal. Là, il était limite, là, ouais, limite pénal, là, dis donc. Ah, Smokey qui perd, tu vois, un dixième par tour, un hein, dixième. Bon, bah, attends, il gère tranquille, à mon avis. Yamshir, pareil, bon début de course, là. Yamshir, là, P3 solide, ça revient un peu sur le Joker. Carrément. Ah, Diables un peu décroché, mais Smokey revient pas, hein, toujours. Yamshir qui avait déjà fait une. Pas très bonne qualification hein. La semaine dernière, il avait fait P11 Yamshir. Mais il avait fini, Yamshir, il est fini 4e la semaine dernière. Ah ouais, 4e, c'est bon, c'est un score, ça fait des points. Ah, niveau statistique, voilà, il est très bon hein, parce qu'il fait pas des très bonnes qualifs, mais il finit bien. Senna et Smoke, là, les deux en Merco, à mon avis, Senna ne va pas patienter pour longtemps, ouais. sachant que Kawai est énervé, ça y est. Hein. Ah, puis Gawel, il doit rigoler un petit peu dans son coin, en pensant à son frangin, là. Il n'a pas supporté la pression, je pense, du débarrage. Ah, alors même le petit coup de portière, on s'en prend, hein, les petits coups de portière, mais on a bien vu sur le deuxième virage, enfin, il est sorti deux fois, là. Hein, on reverra ça, évidemment, mais il est sorti deux fois, Fred. Voilà, Gawel, Manu, grosse baston, là. Ah, ça lague un peu, bon, voilà, je comprends. Hein. Ouais, c'est ce que c'est de laguer, hein. Ça lui est arrivé la semaine dernière. Là, devant les chronos, pas de coquilles des attaques hein, sur les 4 premiers, mais ça se rapproche. Hein. C'est bien, il tient le choc de Manu là quand même. Bah carrément, il tient le choc. Et New York, P10 qui arrive pas trop à remonter. Bah non, mais ça conduit bien devant, ça conduit bien. On voit les pilotes qui suivent la même ligne là, qui sont dans la bonne ligne. Ouais, donc a fait l'erreur qui perd du temps. Et ça, la voiture n'est pas trop retenue. Team P12, Valou, Fred, pareil, qui remonte. Fred, on va voir la remontée de Fred là s'il n'a pas la voiture abîmée. Ça devrait décaler, ouais, il casse P15. Ah, il y a la voiture abîmée quand même, le capot de travers. Le capot qui Gaz, son capot est de travers. Ah ouais, Gaz qui a touché, t'as raison, Gaz qui a du dégât. Ah ouais, alors là, heureusement qu'il y a à l'arrière aussi, il a du dégât d'ailleurs. Ah ouais, peut-être un peu l'effet de tire-bouchon. En tout cas, il y a Fred. Ils vont en profiter pour réparer. Fred, est-ce que la voiture est abîmée? Elle a pas l'air. Non, mais il a fait des sorties de route, il a été roulé sur l'herbe, je pense. Hein. Je crois pas qu'il ait touché. Hein. Encore de la pena là. Pas de pena pour les leaders. Ouais, New York, c'est 2 secondes. Lorenzo, 2 secondes. Valou est tordu. Pareil, pas de nouvelle pena. Par contre, le premier groupe qui a pris son avance. Smoky se fait rattraper. Il gratte, dixième par 10. Il va arriver dans l'aspiration bientôt, Joker. Ah, il est déjà à une seconde. Il va revenir sur ce petit. Ça fonctionne. Voilà. On va retrouver notre petit duo TX3 là, Smokey et Joker. On voit le ciel hein, qui commence à s'assombrir. Alors même si on connaît le slot, il est connu, on sait que les slots météo ont leur petit côté variable quand même. Hein. C'est-à-dire les gouttes commencent à tomber, on sait pas trop à quel moment en fait. Hein. Exactement, il peut se passer des fois 2-3 tours avec des gouttes. Sans que la piste soit mouillée, on va vite le voir hein, au bruit. Hein. C'est vraiment une fois que tu as le son de la pluie sous les deux. Voilà, c'est à partir de là que les slicks payent plus. Bon, Manu qui est chaud bouillant, là, Manu il est P7, il a attaque sur Smog. Attaque totale sur Smog. Il a raison. Il sent qu'il y a moyen. Diables qui perd du terrain, mais toujours c'est 5 secondes d'avance sur le petit groupe de la P6, P7. Et puis 8, Gawel un peu décroche. Oh, Senna et Senna New York. Et oulala, ça y est, des gouttes là, des gouttes tour 7. Et voilà. Tu vois, je les avais vus déjà à moitié. Il me semblait bien qu'ils envoyaient déjà quelques petites gouttes. Mais ouais, mais alors. Et là, ça va vite pitié. Arriver, c'est de l'orage, hein, donc ça va vite arriver. Voilà, ça va vite arriver ce tour là. Oulala, petite péna là. Qui c'est qui se fait reprendre là, comme ça? Ah bah, c'est Smog, hein. Smog a dû prendre une péna, j'ai vu lever le pied, franchement. Par contre, ouais, New York, Lorenzo, on est énervé là. Ils sont toujours P6, collés, les pilotes. Hein. Zed Manu qui mène ce petit groupe là, de la P6 à la P11. Incroyable. Super. Comment ça va super pour Zed Manu. Comment ça va gérer sur Gawel. Ouais, alors là, on va voir les stands. Hein. Et devant, est-ce qu'ils vont s'arrêter il a mangé un petit peu la Zed Manu, est-ce qu'il va freiner. Ah, on va voir Smokey, est-ce que ça pite pas, les essuie-glaçons là. Eh, ça pite. Ou Smokey intérieur. Ça pite.
pas de risque, ça pite pour Smokey, ça pite c'est intelligent, Joker. C'est maintenant qu'il faut y aller. Chier, ça pite pour tout le monde. On va y avoir un bordel dans les stands, je te raconte pas, là, pardon, un bazar, parce que... Il va y avoir des déçus dans les stands. Ça va être chaud. Si tout le monde rentre dans les stands, ça va être chaud, patate. Vous êtes venu qui s'est touché. C'est cette Manu là qui s'est fait pousser virilement là. C'est New York, ouais, mais ça calme des dégâts. C'est chaud, bouillant. Tout le monde reste en même tour. Alors Smokey qui devrait repartir en tête. Si tout se passe bien, et la sucette est levée. Smokey plein de gaz. Gêné par un pilote qui rentre, on le sait. Hein, s'il y a un pilote derrière. Aïe, il y en a d'autres encore à rentrer. S'il passe devant. Ah non, ça lève la sucette, mais. Alonso, ouais, Joker. Ah, Joker qui est prêt. Joker qui sort, Smokey qui est sorti juste devant. Ah ouais, mais là, Joker qui a refait le retard là complètement. Ah, puis là, on est sur la pluie. Hein. Ah ouais, ça coupe la sortie, hein, c'est pas grave. Là. Ça prend une péna, elle coûte rien celle-là. Ah, Yamcha P3, Alonso P4, là, on va pas changer. Diables P5, ok, pas de grosse surprise. Ah, Smoke P6 qui s'en sort bien là. Sur un petit groupe à Smoke Lorenzo, On voit là. Senna et New York a dû réparer les dégâts. La grille des pilotes là qui a complètement changé. Ah, Senna, Gawel, New York, P11 et Fred. Oh, ça fait longtemps que j'ai pas été voir sur YouTube alors que ça s'anime. Enfin, Mike qui dit c'est ce que je disais à propos de Fred. C'est-à-dire. Depuis quand l'animation des pneus marche, demande Joker. Bah non, mais ça a toujours marché. Des fois ça lag, des fois c'est transparent. Bon bah voilà, hein, c'est parti l'orage. Le moment clé de ce championnat pour moi. Un des moments clés. Ah bah là on est carrément middle champ, enfin presque. Et pour l'instant, on a les favoris qui sont en tête. Les favoris initiaux, hein, Smokey Joker, qui sont en tête de cette course. Ouais, ils sont présents. Alors, est-ce que Alonso a pris ses 10 secondes de péna dans les stands pour Gawel? Alonso, bien à l'entrée dans les stands. Alonso, t'as trouvé la péna du milieu, c'est cool. Gawel, 10 secondes. Donc, ça, c'est entrée trop rapide. Ça pique tout de suite. Ah bah, Gawel, sa course est cuite. Gawel qui risque, attention, ouais, je sais pas comment ça va se passer après, mais pour l'instant il a mauvaise posture pour rester en Day One. Ça sent pas bon pour lui. Ah, Joker qui lave encore un peu, alors ouais, sur le gaz, plein gaz. Et par contre, il reste dans le sillon de Smokey, il va pas le lâcher. Là, mais... Allez, un nouveau duel là. Yamcha qui a fait la bonne opération là. P3, mais pas trop emmerdé par Alonso. Et puis derrière, Jobless. Avec Smog Lorenzo, Z Manu qui est un peu gêné sur l'entrée dans les stands là. Senna qui se fait dépasser par la droite par New York. Non, c'est qui? Gawel. C'est Gawel. Gawel l'Inter. Gawel l'Inter sur Manu où ça passe. Est-ce que New York sur Senna? Il semble qu'il y a un peu moins de distribution de pénalités là quand il pleut beaucoup comme ça, non? Exactement, le commissaire, quand il pleut, il est planqué dans son bureau. Il voit plus rien. Dire, quand tu mets la neige, le commissaire est carrément inexistant. Il est au vin chaud, il s'en bat les couilles. Là, sous la pluie, carrément, il n'y a rien de. Donc les pilotes le savent, hein, donc des fois, ils prennent des risques. Ils ont smart, ça après, un peu. La difficulté va être quand la piste va sécher, parce que plus la piste sèche, plus les pénas se resserrent. Ah bah il va ressortir après, hein, ils vont tous ressortir, les commissaires de piste, et puis ils vont surveiller. Il ressort pas on-off le commissaire, hein, il ressort petit à petit, plus la piste sèche et plus il verrouille les pénas. Donc bien connaître cette technique pour les pénas. Et je pense qu'il y en a qui vont être surpris dès que ça va sécher un petit peu là, de reprendre des pénas. Il y en a qui ont déjà du lourd. Le tour d'avant il apprend pas, le tour d'après il passe au même endroit, il apprend, mais c'est comme ça, c'est dans l'exter. En plus du changement de rythme par rapport à ça lag. Est-ce qu'il va se faire prendre par Senna ou pas? Senna va être passé intérieur. Manu qui est passé en fibre, mais je l'avais dit que ça sauverait pas forcément le problème. Et là on le voit, Manu qui laguait en ADSL, il passe en fibre, ça lag encore. Le problème de la stabilité de la fibre. Écoute, je sais même pas quoi en penser. Bon, Kawel P8 décroche un peu de Lorenzo.
Smog qui s'en sort pas si mal là, parce qu'il va peut-être réussir à revenir un peu sur Jobless. Lorenzo qui a du dégât, mais qui a pas dû réparer. Smog, bon, à 5 secondes, Jobless il doit se dire, oula, P5 elle tient là. Joker, pas de risque pour l'instant, 0-7. Jusqu'ici tout va bien. Pareil, ouais, carrément, là, les pilotes qui sont contents. En tout cas pour Yamshir, il est content de la P3. Alonso, pareil. Alonso qui a fait une erreur, hein, 4 secondes de Yamshir. Enfin, dans les stands sûrement. Devant Jobless, là, le gros écart. 18 mètres sur la PS6 Smog. Ah, faut pas s'endormir hein, sous la pluie, là, parce que c'est là qu'on peut perdre beaucoup de temps. C'est vraiment là qu'il faut rester très concentré. Alors, on est vraiment sur une baston, alors surtout que. Un petit tour. Ouh, Smoky 2 secondes. Ouh là, Smoky 2 secondes. Aïe 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 aïe. Ah, oui, il y a Yamshir 1 seconde. Là, Smoky 2 secondes sur la ligne. Tu connais l'histoire, hein, ça se paye sur la ligne. Et à mon avis, Joker, il va pas te lâcher jusqu'à la ligne dans les 2 secondes. Il va les garder. Ah bah, il les voit, hein, il les voit les pénalités de Joker. Ah, il voit les plus 2. Ce New York 2. Ah bah là, Joker, il se frotte les mains. Il se dit, bon, bah j'ai plus qu'à rouler tranquille derrière Smoky. Mais c'est clair, c'est clair. J'ai même pas besoin de me prendre la tête à le dépasser. Ouais, même pas me faire chier. Smoky, il connaît tellement le game qu'il prend la peine, il fait le choix de rester plein gaz, c'est son choix. Il ah bah Smoky, non mais Smoky là, il est en train de se dire bon, est-ce que je vais essayer de mettre 2 secondes à Joker ? Voilà, pour l'instant ça a l'air compliqué, il y a Joker qui contacte. Voilà. Donc il va attendre le deuxième arrêt au stand, à mon avis. Gawel sur Lorenzo, mais pareil, il y a Lorenzo P20, donc Gawel se dit bon, pour l'instant, je reste derrière la fin de base. C'est pas la peine de trop s'énerver. New York, P10, écoute, ça évolue pas trop. Ah, ça va être une soirée compliquée pour New York, là, parce que non seulement il est limite, là, pour le moment, puis il va perdre le leadership du championnat à coup sûr, vu les écarts de points. Ah, je l'avais dit, il va sûrement perdre le leadership. Et il y a Fred, hein, Fred. Ça va faire les affaires de qui, là, alors? Pour le moment, ça va faire les affaires de Lorenzo. Ah non, c'est la P12. Ça fait les affaires c'est de Lorenzo pour le moment là. 89 points sur New York. Et Smog et Alonso. Ah oh ouais, Smog encore en bonne opération. Hein. Alors on n'est pas mi-course, hein. Il reste 40 minutes, on n'est pas à la fin encore, mais. Là vraiment Smog est en train de se dire P6, il est ça. Et c'est surtout que les concurrents directs, ils sont derrière. Ceux qui sont pas très loin en points, Smog il a 81 points, devant lui il y a Gaz à 83 points qui est derrière lui, Lorenzo qui est devant qui a 89 points, et derrière il a 92 points Senna et New York 95 points, et ces deux pilotes sont derrière Smog pour le moment. Alors, à mon avis, on va ils sont loin derrière. Attendu jusqu'à la fin, bah avec. Je veux dire que si Joker et Smoky n'avaient pas fait d'erreur sur le début de champ, ils auraient un petit peu baladé. Là, ouais, mais c'est pas plus mal, ça met du pestac là. Je suis pas en train de me plaindre, au contraire. Non, c'est bien, ça met du pestac. C'est pour ça que tu vas avoir encore des surprises, des rebondissements sur les leaders. Et on le vit ce soir parce que New York et Senna, forcément, vont cracher un petit peu sur le général. Et ça va faire les affaires d'autres pilotes qui vont les mettre un petit peu en avant. Voilà. Et Smoky va peut-être avoir le droit à son interview. Bah là pour l'instant c'est pas parti, avec 2 secondes de Pena, Joker au contact, je le verrais peut-être pas doubler vraiment agressivement. Voilà. Fred, c'est là un peu en retrait, alors Fred qui revient sur New York, à mon avis, ça va peut-être passer. Ah bah New York il a des ambitions, hein, il l'a dit. Il a dit maintenant gagner ce championnat. Ah, il y a quelques points d'avance quand même, ils sont importants ces 3 points d'avance là de New York. C'est Lorenzo Gawel, 10 secondes pour Gawel, 3 secondes pour Lorenzo. Oh, là, Gawel, c'est bien Smog hein, qui est dans le bon créneau. Smog, carrément, P6, et Jobless pareil. Hein. Jobless, ça peut ça qu'il la lâche pas, il a 6 secondes d'avance. Ah, il est pas en train d'aller chercher une P3 là, Jobless, une P4, il est en train de se dire. Jobless qui est passé par la D2 mais qui a pris des bons points quand même parce qu'il a fini deuxième en. Ça va quoi, il a pas trop perdu. Il a 62 points, tu vois, il est à 33 points du leadership, hein, mais quand même. Jobless P14, ouais, mais Jobless là, faut marquer des gros points. Hein. Si je suis mis un top 10, voire un top 8 au championnat, c'est maintenant et il est en train de le faire. Hein. La P5, il verrouille. Devant, c'est loin. Derrière, c'est loin. Écoute, il n'y a que Gawel là. Alors, t'as quand même bien choisi la piste hein, pour mettre ton slot pluie-orage.
Parce que c'est pas la pire, hein. Ouais. Wacken Glen, ça va, quoi. On voit la chicane, hein, qui est un peu ouais, méchante. Ouais. Ah, c'est gérable. C'est gérable. Ouais, c'est gérable. Il y a des pistes bien pires, hein, sous la pluie, qui deviennent vraiment très chiantes. Il y a des pistes qui sont impraticables totalement. Écoute, je vois le Joker là, toujours à 3 dixièmes, il est close racing, mais... Ah non, mais Joker, il va rester collé, hein, il a compris, hein. Il dit maintenant... Collé 36 minutes, ah, bah, il va ouais. Y avoir un deuxième pit. Ouais, mais tu vas voir qu'il va rester collé. S'il a une ouverture, il va la prendre, hein, évidemment. Alors, est-ce que Smokey va lui... Il fait un coup de bluff? Un peu, hein, parce que Smokey, il est capable de faire un petit coup de bluff, genre je te laisse passer, mais je te laisse pas passer. Alors, on est d'accord, mais c'est beaucoup trop tôt pour le faire, là ça se fait sur les... Non, non, pour l'instant, oui, ça va suivre. Alors attention, parce que les pilotes, même les meilleurs, hein, sont pas à l'abri d'une erreur ou d'une pénalité. Ah, ça y est, Fred sur New York, là, ça m'intéresse. Elle doit être vexée un petit peu, Fred, là. Je pense. Bah, je serais à sa place, je serais vexé, hein. LP2, et puis s'est retrouvé comme ça, sorti du lot, se retrouver P16 presque immédiatement. On voit les flaques qui grossissent, là. On va aller voir quelques tours les flaques là, hein. Même si on va arriver à la fin du slot pluie là, on sent que ça s'est calmé un petit peu. Ouais, ça décale pour New York là à l'inter sur Manu. Ah, ouais, il va rester. Intérieur c'est bien. Ça passe. Ouais, tranquille. Ouais. Ah, ouais, ça évite un peu la corde. Passe la mégane. Ouais, on voit les pilotes qui évitent le flaque en sortie, c'est super. Ouais, là, certaines flaques, faut les éviter. Là. Oh là là, dans ces conditions-là, la montée et la chicane, le freinage de la chicane. Eh, Manu qui se dit, ah merde, est-ce que je vais répondre? Ah, Zen Manu! Ah, allez, oui! Ah, oui, il t'a pas ouvert la porte, mon gars! Ah bah non! Pas assez engagé pour attaquer, il y avait vraiment que le pare-choc. Et puis c'était risqué là de venir essayer de dépasser en intérieur sur la chicane. Il faut freiner, puis il aurait été essayé de laisser repasser New York extérieur, hein, c'était obligé, donc il n'y a pas trop l'intérêt là. Si, à ce niveau-là, il faut prendre des risques pour doubler. Ouais, mais à cet endroit-là, tu te fais piéger, quoi. Non, mais il s'est pas fait piéger, il a voulu tenter, la voiture était pas assez engagée, New York bloque, Zemani qui repasse derrière. À la différence de Senna et Joker, où Joker était complètement engagé hein, sur Long Beach la semaine dernière. Ah oui, Joker rien à voir. Complètement engagé. Là, au niveau de la voie arrière, c'est là qu'il bloque contre le mur. C'est là qu'il entend. Là, c'est pas du tout le cas de. Non, de rien Miller. À voir. Bon, c'est ça, pas de comparaison. Là, il a complètement raison. Manu qui est pas du tout engagé. La boîte, je l'aurais pas fait parce que cette chicane, je la déteste. J'aime bien justement me la prendre extérieur, intérieur, extérieur, de bien coller, de pouvoir rester dans le rythme. Oui, mais cette Manu, la Fred qui est derrière, il peut pas non plus permettre de faire des trages. En freinant tôt, en voulant décroiser, non. S'il freine tôt, il prend une trage pour décroiser, Fred qui va se jeter, donc là non, il n'a pas la possibilité de vraiment caler une attaque comme il voudrait. Alors, et surtout que les pilotes sont à l'attaque là, ils se lâchent pas, des vrais pitbulls dis donc. Mais Lorenzo et New York ont 3 et 2 secondes de péna, donc là Manu et Fred qui sont devant les deux. Allez, pour l'instant il n'y a plus trop de rouge hein, qui tombe, mais on va attendre le sec. Il y en a déjà assez, je trouve. Il y en a déjà beaucoup, ça fait mal là, l'addition des pénages, je crois qu'on n'entend pas de record. On parle pas, Espion, écoute, il est en train de se dire je suis à 10 secondes de gaz. Ah bah Espion là je pense qu'il a le moral dans les chaussettes. Ouais mais bon il abandonne pas et. Ah il faut pas, il reste des arrêts au stand, voilà. Ça fait il a 25 secondes de la relégation là, ça va être compliqué pour Espion. Dommage hein, il a fait une bonne qualif. Ah, puis Gaz et Team, là, les deux CSR qui se retrouvent en position délicate. 14e et 15e. Oh, ça serait malheureux de voir partir les deux CSR là en début. Ça casserait un peu l'ambiance, hein. Ouais, écoute, c'est le game. C'est comme ça. J'avais pas dit que j'avais fait des pronostics avant la course parce que je me fais engueuler. Non, mais écoute, Corsica et. Et Moby qui sont en D2, ça casse pas l'ambiance non plus, mais ça manque, ouais, c'est comme ça, ça manque de lui voir. Ah bah, ouais, Fred est en train de se dire, comment je vais passer ce compte d'énervé? Ah bah c'est là, je non mais c'est même pas la peine. C'est comme si t'avais 3 T-Rex devant toi, puis voilà quoi. Ah bah du coup t'abandonnes, c'est bon Fred, range-toi. Non bah tu restes collé derrière, puis t'attends qu'il y en a qui fasse une connerie, ou que toi t'aies vraiment pris la bonne ligne et puis pas les autres, et puis bah... Petite opportunité sur un malentendu, tu tentes. Moi je crois qu'un petit peu de temps comme ça, ça se remonte un par un. À condition que ça soit chaud, comme le là devant. Collé devant là depuis tout à l'heure là. Oh là là, changement de leader.
Ah, Smoky, là. Je suis en train de lui dire, Smoky qui lâche l'affaire. Il lâche le morceau. De toute façon, c'est cuit. Ouais, 30 minutes, il a vu. Hein. Il a vu. Il s'est dit, bon, est-ce que je vais mettre la presse un peu pour provoquer l'erreur? Ah, je reviens plus derrière, Zen Manu, c'est toujours chaud bouillant. Ouais, il prend des petits bisous là dans le virage. Et la pluie hein, qui est en train de se calmer, mais les flaques qui restent évidemment. Le lac aussi, mais Zen Manu qui reste. Ah, toujours. Oh, regarde. Le dépassement là. Mais oui, mais Fred, est-ce qu'il va tenter Fred? Son intérieur peut-être. Attention, il y a la flaque. Ah, Zen Manu, hein, un pitbull. Envie de lâcher la Zen Manu. Il dit non, tu vas pas me la faire comme ça. Attention la montée les gars, attention parce que à deux ça passe mais. Hop le rail. Et là c'était pas du lag. Non, si c'était un lag. C'était un lag, il a pas touché. Ouais, faut être fin sur le. Du fût pour voir. Tu m'étonnes. T'as l'impression qu'il va taper le rail, mais non, c'est le lac qui le ramène. Ouais, le coup de pression là devant là. Ah il est passé. Tu m'étonnes. Autoritaire là Lorenzo, Lorenzo, tout gros client, il a envie de chipoter là, Manu qui s'est pris un coup de presse là, il s'est dit bon, allez, carrément là, je l'ai même pas, même moi je l'ai même pas vu arriver le truc quoi. C'est là qui revient, qui est pas loin derrière. Et c'est là une seconde 2. Ah, espion qui perd du temps, Asmo qui part et Asmo qui demi seconde là. Ah, puis Manu Fred là, il doit être un peu frustré là, parce que c'est Manu, il défend, c'est normal quoi. Est-ce que Smoky aurait pas touché un petit peu pour avoir les chronos, mais... Oh, je le vois perdre... Ouais, ou peut-être que moralement il a abandonné, mais attention, parce que derrière, il est pas loin, Yamshir. Hein. Moralement, mais rien du tout, là. 9 dixièmes, non, c'est pas moralement. Non, mais je dis, voilà, je reste dans les 2 secondes, je reste là, c'est plus la peine de batailler pour la P1, quoi. De toute façon, je l'aurais pas, la P1. Tu vois? Ah, attends. Il sait que Joker il va rester derrière s'il faut, il va rester derrière jusqu'au bout. On est pile poil à mi-course. Il le sait, hein, et Joker pour qu'il fasse une erreur, Voilà. Oh la pénalité, il a peut-être bien là pour Zen Manu. Ah, sous la pluie, pas sûr. Hein. Ah, et peut-être. Il était large quand même, pour l'instant il est toujours tout clair, mais. On voit du lourd pour. Bah, il veut passer là, il dit les gars, j'étais P2 tout à l'heure. Ah, ça décale Fred Astar là. Eh oui. Eh oui, ça passe. J'ai un droit de cuissage sur cette course, messieurs. J'étais P2 tout à l'heure. Hop, attention Zen Manu, Zen Manu qui évite la flaque. Quand tu connais, tu sais qu'il faut laisser de la place pour le pilote. Ah, il lui a laissé juste la largeur là. Hop, et là il lui a pas laissé la largeur par contre. Il lui a mis une petite claque dans la gueule. Eh ouais, Manu, putain, tu vois les lags. Voilà, le mec il t'attaque, il est réglo, ça passe. Et maintenant, tu mets un coup de lag. Alors, toi tu l'as pas vu, hein, c'est pas ta faute. Tu vas pas l'attendre, mais. Voilà, le lag encore une fois est Fred qui évidemment. Et voilà, écoute Manu, t'es passé en fibre, mais le problème est toujours le même et c'est chiant. C'est chiant à ce niveau-là de. T'as un bon niveau, mais. Moi je sais même pas si c'était un lag, hein. Faudra peut-être revoir la séquence. Je suis pas sûr que c'était un lag, hein. Pour moi, il a mis une petite giflette, quoi. Hein. Parce que si c'est un lag, physiquement il le touche pas, c'est juste à l'image, quoi, tu vois. J'ai pas compris. Si c'est un lag d'image, d'affichage. Ouais. Eh ben. Son module physique de voiture, il est toujours à la même place. Donc il touche pas l'autre concurrent. On est sur la caméra de Fred, mais bien sûr qu'il le touche. On est sur la caméra de Fred, Manu qui lag. Donc Manu qui vient taper la voiture de Fred, sauf que Manu il a pas vu que sa voiture elle avait lagué. Donc pour lui il est à l'intérieur, il est sur la corde, pas de problème, sauf que Fred il prend la voiture de Manu en coup ouais, de mais ça c'est ce lag. Truc de il a pas vu qu'il a lagué, moi quand je lag je le vois hein. Non, désolé, mais c'est faux. Quand tu lagues vraiment sévère, tu vois tous les autres pilotes laguer, mais quand tu lagues un petit peu comme Manu... Si tu vois les autres, tu vois tout le monde laguer, on est d'accord. Voilà. Enfin, tu ne vois mais pas laguer, mais tu vois tous les autres laguer. Oui, non, mais là, on part d'un gros lag. Là, c'est un lag 10 secondes avant la déco. Manu qui lague au mode intermédiaire, c'est un petit lag. Non, Manu qui ne voit pas laguer. Par contre, quand tu vois Fred à l'extérieur et que tu vois Fred partir dans le mur à droite alors que... t'es à l'inter, tu te dis bah j'ai lagué, je l'ai foutu de temps. Ouais, alors là par contre c'est pas facile à voir parce que y a pas de gros angles. C'est l'expérience, moi je le sais parce que je lague beaucoup quand je fais les lobbies. Alors on voit il continue de laguer. Ouais, Manu qui laisse passer. Alors est-ce que Manu m'a entendu si Manu tu m'as entendu vraiment c'est la bonne solution là. Hop, on voit les téléports là.
Là, je suis désolé Manu, mais bon, la P12 pour attaquer ça va être chaud. Est-ce qu'il a pris des dégâts sur le long? Attention quand même à pas trop s'écrouler. Bon, il a 6 secondes d'avance sur Givalou, mais quand même. Oh, il va rester dans la course, on le sent. De toute façon, on va créer une règle. Pour les lags, on va créer une règle. Elle va arriver bientôt parce que ça commence à me saouler là. C'est pas la faute des gars, hein. Je sais très bien. Tout le monde aimerait bien qu'il n'y ait pas de lag et que ça soit parfait au niveau co, mais. Voilà, un mec qui lag, ça empêche les mecs de doubler. Hein. Ouais, ça change les... Oh, tu vois pas qui connaît là. Ouais, alors qu'en fait, il est pas dessus, il est à côté, quoi. Ah ouais, non, mais c'est dingue. Ouais, mais c'est là qu'il voit laguer, qui se dit, bon, à pas tout perdre. Un coup de lag, tu chopes un rack, tu prends 15 à l'avant, bah, conspire. C'est délicat, on va créer une règle pour ça, et on pénalisera les mecs pendant la course, hein. J'irai dans le lobby, je dirai, voilà, toi, tu lag, là, tu passes derrière, t'attends. Ouais, à un moment donné, bah ouais, parce que voilà, personne n'y peut rien, mais c'est celui qui lag qui est quand même, qui crée le problème, et donc faut régler le problème à la base, bah voilà, c'est comme ça. Hein. Ouais, mets-toi la place de celui-là quand on essaie de doubler sous la pluie, un mec qui lag, c'est ultra risqué. Il n'y a pas d'autre solution, s'il faut régler le problème à la base, t'as pas, voilà. Et je te dis que le mec qui lag ne se voit pas laguer, donc oula, ça pite. Oulala, ça pite pas. Ah, il y a ça renfort là, Alonso. Oh, Alonso, Yamshir. Et Smoke qui continue sa échappée. Voilà, ça pite pour les slicks. C'est tôt un peu, hein. C'est tôt. Ouais. Bon, Joker qui a collé une seconde 3 à Smokey. Ah, Smokey qui a perdu un peu de rythme là. Ouais, il a 3 dixièmes sur les chronos. Ah, écoute, Smoke P3 toujours en plus. Ouais, il a beaucoup d'avance, hein, Smokey. Ah, ouais. Ouais. À New York, alors attention, parce que tous ceux-là sont pas arrêtés. Et ça change, là, ça change toute la grille, là, évidemment. Yamshir qui repart. Alonso qui se retrouve 12e, Jobless 13e en relégation. Presque. Yamshir, Alonso, Jobless. Estimez-vous, ouais, il est en relégation. Ok. Bon, ça va être chaud. Smoke avec sa P3, je me demande s'il passe pas momentanément leader du championnat, tu vois. Ouais, alors momentanément, hein, parce que... Momentanément, non, c'est même pas sûr, parce qu'il a quand même 14 points de retard sur New York, et voilà, quoi, et New York, pas si loin que ça. Est-ce que Joker va s'arrêter maintenant? Est-ce qu'il va caler un peu? À mon avis, ouais, on voit la trage qui sèche. Hein. Joker qui va piter, à mon avis, Smokey qui va suivre la strat. Ou pas. Et non. Joker qui pite pas. Smokey qui pite, alors est-ce que Smokey va réparer les potentiels dégâts? Et il suit pas la strat, hein. Il suit pas Joker. Smokey qui était à 1 seconde 3, on va voir où est-ce qu'il ressort une fois le pit de Joker effectué. Ah, c'est peut-être un pari qu'il fait là, hein. À voir. Hein. Ah, bah là, clairement. Ah, Yamshir Alonso. Ça se jouera pas sur un tour, hein, d'écart sur les pits. Ah, il va falloir attendre que le tout monde pite. Le rythme. Ah, Smoke qui continue, Kawan également. Oh bah Smoke, il doit avoir le smile là, peut-être les jambes qui vibrent un peu là en P3. New York qui pite. Smoke toujours. Est-ce qu'il avait des dégâts? Est-ce qu'il avait des dégâts qui se réparent? On peut pas savoir, là, il est un peu long là. Hein. Écoute, Fred P5 là, bon. Bah pour le moment, il est bien revenu, mais est-ce qu'il va rester avec ses pneus pluie? Il repart, New York qui pite. Est-ce que t'es obligé d'aller remettre les slicks là, vraiment là? Yamshir qui ressort où par rapport à Smokey? Hein, ça te fait gagner combien là d'aller remettre les slicks par tour? Là, mais ouais. C'est exponentiel. Là, tu vas gagner 2 millisecondes, dans 5 tours, tu vas gagner 3 secondes, et si vraiment le mec il reste avec les pneus pluie jusqu'à la fin. C'est on est à pas 7, 8, 9 secondes par tour. D'accord, ok. C'est pour savoir si ça vaut le coup vraiment de bien calculer le moment ou alors si tu t'adaptes en. C'est obligatoire. Remettre les slicks, c'est obligatoire. Après, le bon moment, est-ce que Yamshir et Alonso ont pité un peu tôt? Est-ce que ça va passer? La piste a l'air un peu humide encore. Et justement, voilà Yamshir justement qui part en drift. Avec les slicks, attention au rail! Yamshir en difficulté. Smoog toujours en pneu pluie. Gawel pareil, Fred pareil. Lorenzo pareil. Et pour l'instant, c'est quand même les pilotes qui ont gardé des pneus pluie. Hein, voilà, Smokey virtuellement en tête. Non, pas en tête, 41 secondes. Joker va rentrer sur devant.
Est-ce que Joker va s'arrêter? Joker qui s'arrête pas, mais qu'est-ce qui se passe, Joker? Joker qui roule en pneu pluie. Alors attention, on va pas trop les bouffer non plus, hein. On va surveiller les gaps. Ça va. 41 secondes. Ah, si Joker pite le prochain tour, ça va ressortir devant. Ah, attention, il y a que 2 secondes de pénal pour Smokey. Ouais, voilà. Il peut se passer des choses encore. On voit, hein, un peu de drift aussi là, Smokey. Ouais, compliqué. Alonso, Alonso Yamshir, 45-54. Et Yamshir qui a perdu beaucoup, mais il s'est arrêté au stand, lui, par contre. Jamless qui s'est arrêté aussi, mais. C'est compliqué de savoir là. Ouais, on va voir comment ça se joue. Autant tout le monde s'est arrêté en même temps que tout à l'heure là, autant là c'est disséminé. Ouais, mais bon, ça calme la strat. Bon, voilà, aller chercher une fin de course en pneu pluie. Non, c'est juste pas jouable. 45 secondes sur Smokey, le soleil est bien le ciel est bien dégagé, le soleil est présent, mais la piste est encore un petit peu humide. Hein. Alors la piste qui est plutôt bonne pour les slicks, sauf la chicane. On a vu tout à l'heure Alonso un peu en difficulté là. Ça glisse sévère. Smokey, lui, il a pas l'air d'être en difficulté. 41, écoute, il est toujours dans les mêmes chronos à peu près que Joker. Joker qui s'arrête pas. Hop, drift. Il a le passage de la chicane, justement. La chicane, c'est vraiment le corner. Il repère une seconde. Attention, là, c'est sur la pointe des pieds, là, les pilotes en slick. Alors, Joker, tu vas pas nous reclaquer encore un tour en pluie. Voilà, ça serait, à mon avis, suicidaire. Hein. On avait claqué un tour de plus. Ouais, je suis pas sûr, elle est encore bien humide, la piste. Hein. Joker qui se fait pas avoir par le bluff, là. Attends, le bluff, je vois les chronos de Smokey. C'est le soleil. Il est en 42, il revient en 41. Non. Là, à mon avis, c'est une erreur de Joker. On l'a vu plusieurs fois faire des mauvais choix à un tour, deux tours après, mais écoute, regarde, on va surveiller Smokey, regarde, 40.0, 41, bon, à Smokey qui regagne. 37.0. Non, c'est son tour de sortie, étonnant. Ouais, tu prends un tour invalidé, du coup on l'a pas. Smokey qui remonte. Il va remonter, mais est-ce qu'avec l'arrêt au stand que va nous faire Joker, est-ce qu'il y aura assez de différence de temps sur un tour pour que ça joue? Je suis pas persuadé. C'est pas gagné, mais en tout cas. De toute façon, ils sont pas leaders du championnat, ils étaient leaders de la course tout à l'heure, ils ne le sont plus. Non, bien sûr. Donc pour l'instant, le leader, c'est Joker. C'est grave. Avec Smog. Hein. Et Smog qui se cale sur la strat de Joker, mais j'ai l'impression. C'est la bonne solution. Gawel, pareil. Gawel, pareil, qui suit Fred, qui arrive avec Pidja, dis donc. Smog qui va repasser ce petit monde là. Smog qui va pas tarder à rentrer dans les modes d'attaque là. Hein. Smog qui est en train de prendre là, 1 seconde, 2 secondes. Mode d'attaque. Je vais te dire que si Joker il pite pas maintenant, ça serait tout juste incroyable. J'y crois pas, Joker qui va piter. Non, là il va piter, je pense. À 99% sûr. La piste est vraiment. Enfin, est vraiment Tu vas dire, je me sens la ramasse, je vois Smokey au chrono. Mais Joker, qu'est-ce qui se passe? Attends, Joker, s'il avait la prévision de pas rentrer. 25 secondes d'avance. Mais ça passera pas, Smokey. Écoute. Il y a 18 minutes, il y a 40 secondes d'écart, ça passera pas. Ça reste 9 tours. Ça passera pas. Il faut qu'il lui mette 1 seconde 6 de rattrapage. Écoute, là il a eu qu'à 1 seconde au tour. Smokey en 57-8, Joker en 58-8. Donc il y a 1 seconde d'écart entre les deux. Le chrono qui va faire que s'accentuer. 4 secondes et quelques. Qui rattrape par tour. Mais là, sur le dernier tour, Smokey qui va caler 6, 7, 8 secondes à Joker. Non, c'est pas jouable. Smokey déjà qui remonte à la P4 évidemment avec la hausse de Fred. Et 3 avec la hausse de Smokey. De Gawel. Smokey qui se casse sur la strap de Joker. Il se fasse pas piéger. Smokey. Pour moi, Joker est en train de faire un pari ultra risqué.
Ça serait bien de s'arrêter, Smoky. Smoke, ça serait bien qu'il s'arrête au prochain tour, là. 59-1, Smoky, 56-0, là. Pff, là. Regarde, 56-0, il a déjà 2 secondes 8, là, sur Jock. Ah, Jock, s'il s'arrête maintenant, c'est perdu. Enfin, mauvaise phrase, s'il s'arrête pas. Ouais, Jock, avec le moment, on va rater sa course. Chaud, faut vraiment qu'il s'arrête. C'est dommage, je comprends pas Joker. Lag aussi, hein, Joker, incroyable. Lag un peu depuis le début. Ah, la première fois qu'on voit laguer Joker, étonnant, mais du coup, ça change rien, sa strat, c'est pas à cause du lag, c'est son choix, mais ah, je veux dire, quand tu regardes un peu les chronos de Smoky, là, Joker, bon, est-ce alors, qu'il est en train de se raviser, à se dire... Surprise, on va refaire un tour, quand même. S'il rentre, il est derrière, hein. Bah, là, s'il continue... Allez, il va continuer. Il va aller au bout. Il va aller au bout comme ça, Joker. Il va aller au bout. 15 minutes. Ça payera pas. Ça va être. Non. Ah, avec les 2 secondes de Pena. De Smoky. Tiens, est-ce qu'il n'y a pas eu d'autres Pena d'ailleurs là, depuis qu'il fait beau? Écoute, on en reparle, mais moi je vais te dire que quand je te dis c'est Smoky, il reste 2 secondes. Il y a Mshir une seconde. Il y a Mshir une seconde. Ça peut faire mal, sa seconde là. New York qui a repassé le P7. Une seconde, bon. Ah, qui a voulu une seconde, elles font mal. Il y a beaucoup de pénards hein, ce soir. Et pour l'instant. Un petit niveau. Ah, on a perdu. Oh, on a perdu un pilote, on a perdu Espion. Chantal, ouais. Team et Gaz, putain, plié pour les deux là. 20 secondes de la relégation. Ça va être bouillant. C'est chaud, ah, Smog, c'est enfin, Smog. Smog un peu enfin. Tard. Mais bon, Smog. Et Smoky à 33 secondes sur 15 minutes. Il y a. Regarde le chrono. 8 tours. Regarde le chrono. Il y a 5 secondes d'écart. 5 secondes sur 8 tours. 5 fois 8, 40. Avec 40, il est devant et de loin. Et je peux dire que ça va aller en s'accentuant dans la Smoky. Qui va doubler Joker, à mon avis, à 2-3 tours de la fin. Et il va le passer en lui faisant un petit coucou. Allez, à la portière. Au revoir. T'as vu ? Allez, ciao. Et à mon avis, ça va passer pour Yamshir. Ça va passer pour Yamshir pour le P2. Alonso, ça va peut-être passer pour Alonso. Hein. 48 secondes, hein, ça fait beaucoup, mais ça pourrait passer. Joker, mauvais choix. Joker, il va être obligé de s'arrêter. Il faut que tu t'arrêtes, non, Joker. C'est trop tard maintenant. Bah, ça arrête. Est-ce qu'il va limiter la casse en s'arrêtant, mais c'est plus, ils vont être morts en plus. Ah ben bah, là, plus ça va sécher, plus les pneus pluient sur le sec. Et c'est un truc de fou. Ils se bouffent à une vitesse, ils montent dans le rouge, mais en 3 virages. Oh là là. Non, il va aller au bout, il va aller au bout. Il va aller au bout, de toute façon, il est dans sa strat là. Il n'y a plus le choix maintenant. Il n'y a plus le choix, il faut aller au bout. Il va falloir sauver les meubles, mais moi je vais bien Joker en P4. P3. Et Smog, il est ressorti comment du coup là? Encore, il nous regrette un 58 là, ça fait 4 secondes. On va voir le chrono de Smoky, mais. Et Yamshir qui fait une belle affaire pour le moment. Bah, il fait une belle affaire, le Smog qui est ressorti. Ouais, Smog qui est ressorti P8, du coup, P8. Tu vois, Smog. Et ouais, mais Smog a subi la strat de Joker. Il était P5, P6, et ouais, il s'est fait piger. Il a dit, mais pour le moment, il rentre pas. Ben ouais, fais-toi tes propres stats. Sauf que là, fallait plus rentrer, Smog, fallait rester. Ah ouais, 4 secondes au tour, 4 secondes au tour. Bon, ça passera pas. Ah, s'il fallait suivre Joker, fallait suivre jusqu'au bout. Ah ouais, à la limite, mais à la limite, il fallait rester. Hein, à la limite, il aurait fallu rester. Il serait peut-être une P5, P6. Là, Smoky qui est en train de se dire, Joker, l'enfoiré, il tente un truc de fou. Je vais mettre le paquet. Ah, bah là, il va mettre le paquet, Smoky, là, c'est sûr. Il est tout seul en plus. On est à 2 minutes au tour. Ça nous fait 6 tours. 7 tours. 7 fois 4, attention, par contre, là il a été très large. Alors, attention, Smoky, oui, la Pena, par contre, là, oui, Smoky. Ouh là là. Elle a été super large, là. 7 fois 5, 35, 7 fois 7, ça fait non, ça passe. Je te dis, ça va être limite. Et justement, non, c'est peut-être les pénalités. Non. Est-ce qu'il a repris une Pena ou pas, là? Oui, il a pris une Pena, il l'a pas enlevé, mais il a pris une Pena, il a toujours ses deux. 2 secondes, ouais, il a pas repris une sur Pena, quoi, encore. Alors, moi je te dis, Smoky premier et Yamshir P2. Ah bah c'est bien parti pour en attendant. Et Joker va peut-être sauver le P3. Parce que Joker il a des ressources aussi quand même. Il se fait reprendre. 2 secondes. Joker, qu'est-ce qu'il fait Joker? Qu'est-ce qu'il a fait? Où il a fait une erreur Joker?
Oh, alors là, bah, Joker, tu t'en desserres de l'improbable si tu fais des erreurs. Bah, alors, là, 19 secondes, avec les pneus, avec les pneus éclatés, oh, de toute façon, oh, maintenant. Terminé. Oh là, Joker, alors, du coup. Un coup de bluff qui va pas fonctionner, on le voit, il est complètement. Ça passe pour Alonso. Ça passera peut-être pour Jablès. Joker qui va être. Qui va être en mal là pour la fin de course, et je te le dis, hein, plus ça va sécher, plus ça va être chaud pour Joker, les pneus qui vont être vraiment à l'agonie. Vraiment dommage, hein, qu'on ah, dommage, ouais, dommage parce qu'il a fait une belle course. Oh, mais et bon, on va reprendre à 18 secondes hein, maintenant. Smokey derrière. Oh, Joker, franchement, moi, il m'en a pas parlé, je pense qu'il en a parlé à personne de sa strat. Peut-être que lui-même il a décidé ça sur le coup. Hein. Pour moi, c'est vraiment osé voilà, sur des combos ça aurait peut-être pu se discuter sur celui-là avec deux slots secs non du tout mais surtout que tout le monde s'est arrêté à la rigueur tu t'arrêtes pas t'as pas décidé de t'arrêter mais tu vois que tout le monde s'arrête tu dis bon allez, je vais m'arrêter parce que sinon je vais me faire bouffer quoi hein. Regarde la vitesse dans les courbes le tir il est garé complet ah ouais non mais il est à la rue là il est à la rue c'est clair ah, les deux pneus rouges les deux pneus là, il s'est passé trois virages Smokey a déjà repris une seconde et demie. Il reste plus de 10 minutes avec le dernier tour, 16 secondes. Oh, les pilotes de derrière qui sont en train de se dire ah, voilà, Joker. Pierre Smokey, il est à balle, là, il est en mode chrono, je te dis, il n'y a personne sur la piste. Là, il est en mode Smokey. Championnat du monde d'Earth Rally, là. Oh, il avait pris sa pénale, il a vu Joker qui roule un peu plus vite, il s'est dit, oh, fais chier, je vais finir P2. Et il voit Joker pas s'arrêter. Il a dû s'inquiéter un ou deux tours en se disant, oula, qu'est-ce qu'il me fait là, c'est un ouais, peu ouais, il a pas dû comprendre. Et ouais, puis là, non. Et ah, là, Smokey, il a compris, là. Là, c'est champagne. Là, 15 secondes, là, je veux dire. Champagne et limousine ce soir. Ça va repasser direct. Et alors, du coup, Jablès P5, qui n'aura pas lâché sa P5, là, Jablès Super Course, et qui est même presque au contact de Lorenzo. Hein. Il est pas loin, hein, il est pas loin. Pas de pénal pour les deux. À New York, qui est bien revenu. New hein, York P6, bon c'est bien New York. Avec Gawel. Je dis, les arrêts au stand, ils ont fait mal. Hein, ils ont fait mal, les arrêts au stand. Ils ont fait très mal à Smog. Hein. Qui a perdu un peu. Bah plus que attends, ça, il était P2, il est P8. Non, alors, il y a Smokey qui serait revenu sur le dessus. Ouais, ah oui, mais bon. Non, c'est pas comme ça que je calcule. Oui, avant, je sais, mais il avait pris pas mal d'avance, il était pas mal, quoi. Ouh là là, mais qu'est-ce qui se passe, New York? Non, mais il était P4 avant l'ensemble des arrêts. Est-ce que New York aurait fait le choix de pas s'arrêter? Parce que New York s'est pas arrêté, d'accord. Attends, je sais pas, mais je le vois bien placé à P6. Ah, il est bienvenu, il était P10 tout à l'heure. Il est bienvenu, mais je le vois en galère. Je le vois en galère sur Gawel et Smog. On va voir, hein, il va se faire vite reprendre de toute façon. On va vite voir, mais bon, voilà, jolie corde, les trois là. Super, les gars. Changez rien. Ouais, super petit circuit pour ça. J'adore. C'est des belles voitures. Hein, et Smog qui vient de changer les pneus là, qui est bien là, il est en flic là, les pneus sont chauds. Là on voit ça fait son attaque. Oh, à New York a l'air en galère là, pas trop de vitesse, bon il y a la Merco. Oh, Smokey 10 secondes, 8 minutes. Hey, Smoke je pense qu'il va essayer de dépasser les deux là. Smokey qui a calé 6 secondes de mieux que Joker sur le chrono. Ah ouais, il est donc, 4 secondes de faire. Ça décale à l'extérieur là pour Gawel. Ah, Smog, oui, il a réfléchi. Smog, il dit je vais au milieu, ouais. je fais quoi? Gauche, droite. Le milieu à 3, c'est reste encore des plaques. Ah, ça tient bon devant. Attention les pénales, les gars, ça a séché là. Oh, un petit trou dans l'herbe à l'extérieur. C'est pas grave, c'est là. Il y a des chocs, là, Smog. Avec Gawel devant qui fait du drift aussi un petit peu. Ah, New York qui tient bon. New York sur les traces, là, c'est fort. Sans la défense totale. Oh là là. Bah écoute, s'il est en train de défendre une P6 là pour le final. Ah, les gars, j'adore. À nouveau les strats, le pilotage, on a vraiment une course d'anthologie. Et c'est pas fini. Hein. C'est pas fini. Là, 7 secondes là, Smokey qui est en train de revenir. 7 minutes, 7 secondes. Voilà. Ah ouais, non mais de toute façon, on l'avait dit. Hein, Walking Lens, avec purage, deux arrêts au stand, forcément. Bah, deux arrêts, sauf la grande aventure, bah, sauf ceux qui ont décidé d'en faire qu'un seul. Ah ouais, Paris. Il va pas être payant, hein, va pas être payant pour Joker, évidemment. 7 minutes, ah, je mange 5-6 secondes au tour. Il a fait le calcul, il sait que ça passe pas. Ah ouais, bah bien sûr. À mon avis, P3. P3 pour avec Joker, un Smokey qui va arriver à balle derrière. Attention, il peut y avoir une situation un peu critique à un moment donné là. Alonso qui a fait une erreur, dommage. Dommage Alonso. Ça va être intéressant de voir le dépassement quand même de Smokey sur Joker.
Il va falloir vivre ça en direct, hein, parce que je suis joker avec ce qui s'est pris la semaine dernière. Peut-être qu'il va dire « Oh, à mon tour ah !» Non, mais joker, il n'a pas la voiture pour résister. Il va résister un virage pour le fun, enfin pour le fun, pour dire deux, mais non, joker qui pourra rien faire. Par contre, je sais que le dernier tour va être un enfer pour joker. Là, si pour tout le monde arrive sur lui... Là, c'est de pire en pire, joker qui est en 59 fuites, mais il va faire que perdre du temps. Les chronos qui vont... Vraiment de pire en pire, il va être en 2, puis en 2. 53-7 le dernier tour pour Smokey. Oui, on est sur le sec. Oui, ben, là, ça s'en vient. Smokey qui est de mieux en mieux avec les pneus, et Joker qui est de pire en pire avec les pneus. Voilà, là, 6 minutes, 4 secondes. Enfin, je t'explique même pas comment ça va passer pour Alonso. Ça va peut-être même passer pour Jobless. On va voir, mais. Ah, Jobless qui a le moral, hein. On voit que c'est un pilote vétéran. Voilà, petit baston là, avant que nos deux gens se rejoignent là. C'est toujours en drift, hein, Gawain. C'est New York qui tire bon, là, pour la P6. Alors, attends, les pénas, là, New York, 2 secondes. Ah ouais, Gawain, 10 secondes, et du coup, ça nous ferait Smoke. Ah ouais, ça nous ferait Smoke. Qui passerait devant, là, ouais. Qui passerait P6, ça serait énorme. Ah, Smoke, il est en train de se dire, bon, il faut que je reste à 2 secondes de New York, on s'en fout de Jobless. Ouais, bah oui, il compte plus, là. Ah oui, non, mais là, il pour l'aspiration, éventuellement. Là, il se dit, il faut que Jobless reste au contact de New York et je reste derrière les deux et je vais claquer le P6. Ce qui serait. Et putain, ça serait énorme pour le championnat. Oui, parce que la P5, il n'y reviendra pas. Mais P6, mais. Corsic n'est pas là, Gaz est en galère, Lorenzo est en galère. Ouais, tout à fait. Super opération. Et Senna, il est où notre ami Senna là? Ça fait un moment qu'on ne l'a pas vu. Lorenzo, onzième, il passe pas une bonne soirée. Senna non plus. Course discrète, mais bon. Smokey a encore un peu du mal avec les fils dans la chicane, mais il s'en fout, il sait 5 minutes, il a fait le gap, il reste, il sait qu'il va en faire qu'une bouchée de Joker, il est là. Encore... Ah, ça a lagué encore, Smokey qui lag un peu bizarre. Il est là, Joker, il est devant se lui. Dit, tu vas lui mettre un dépassement, cousin, tu vas t'en rappeler de celui-là, je vais te recoller 4 secondes derrière. C'est avec les klaxons. Mais bon, écoute, moi je l'ai senti direct, hein. Joker qui rentre pas un tour, deux tours, trois tours. Allez, tranquillou. Oh, regarde ça, la différence. Oh là là, coup de la portière pour Smokey, petit coup de klaxon. Il va se permettre. Il va se permettre de rester derrière. Alors, il y a pas assez de monde direct. Et puis il va en voir du petit monde arriver derrière, Joker, c'est pas terminé. Il se dit 4 minutes, c'est long quand t'es à l'agonie. C'est long, c'est ultra long. Surtout que ça va pas lancer améliorant, Joker, il faut pas attaquer. Joker, c'est vraiment sauve les pneus là. On le voit de toute façon qu'il n'est pas à l'attaque là. Il a pas trop le choix. Hein. Non, ça se ressent, là, il est sur le bout des pieds là, sur la pointe. Paris raté pour Joker. Ah, il va avoir Yamshir qui va arriver. Qui dit la P2 qui se présente à moi. Smokey en tête qui a récupéré ses 2 secondes de pénal, donc là, Smokey, la victoire quasi assurée là, sauf erreur. Yamshir qui se dit combien il y a le pénal Yamshir ? Une seconde, mais ça va être une formalité pour lui. Une formalité, il reste 4 minutes, ça fait 3 tours. Est-ce qu'ils ont tous compris la stratégie ? Non, Alonso, ça sera Alonso, compliqué. Alonso qui a dû faire, je sais pas, il a un problème, là. Jobless qui revient. Oula, Gawain Smoke. C'est encore bien. Smoke, c'est que. Smoke, il va caler une attaque là. Oh là là. Ah, t'aurais pu y aller à droite, Smoke là. T'aurais pu y aller avec un peu d'autorité. Allez. Gawain, de toute façon, Gawain, il a plus rien à jouer là avec ses bisous de Pena. Il reste dans le rythme. Smoke, la peltrage là. Le peltrage. Hein. Oh là là, et ouais, Yamshir qui est passé, hein, qui est passé sur Joker. Ah oui. Surprenant. Ça fait 14 secondes. Il reste 3 secondes. Minutes d'agonie là pour Joker, le pauvre. Le gars, à mon avis, qui va verrouiller une P3, mais. Dommage. Ah, la P3 lui permettra quand même de revenir bien dans le classement. Ouais, c'est bien. Ah, ça va le consoler un petit peu. Ah, Smoke, il le sait. Smoke, il faut attaquer là. Il faut attaquer. Attention, Smoke, à pas de prendre une péna qui pourrait te punir là. Ouais, non, c'est vrai, t'as raison, Smoke. Ah non, pas de risque, Smoke. C'est bien, pas trop de risques, reste collé derrière. Jobless qui est loin. Tranquille, surtout qu'il est un petit peu drifter là, Peter Mazix Gaiwell. Peut y avoir un malentendu dans un virage. Ah, c'est bon que t'as voulu doubler, mais pas les couilles du spectacle. Va nous claquer une P6 pour le championnat, c'est bon. Non, le spectacle, c'est qu'il reste à la queue de lui jusqu'au bout là. Ouais, non, mais plutôt, il a dû attaquer sur.
sur Gabriel qui défend, c'était un peu chaud. Non, ça sert à rien. Surveille bien le gap avec New York des 2 secondes. Surtout ça, ouais, faut qu'il surveille New York. Plus de 10 secondes pour Alonso sur Joker. Il va rester 2 tours. Il va rester 2 tours en 2 secondes. Attention, Joker. 5 secondes au tour, on vérifie les chronos. Et ça va être limite. Il tourne 7 secondes, 7 secondes plus vite. Sur 2 tours, ça fait 14. C'est devant. C'est devant pour Alonso, c'est devant pour Diablez. Le pauvre Joker qui va s'écrouler P5. Ben ouais, bah c'est cool, bon. Le pauvre. C'est comme ça, ma pauvre Lucette. C'est son choix, écoute. Eh oui. Ouais, Lorenzo, oulala, devant, voilà, par contre. Devant là, c'est. Ouais, mais Gawel, pour le spectacle, 10 secondes de pénal, bon, New York, laisse le passer. T'en fous, je suis devant. Il entre les pilotes là. Règlement de compte au Grégoral, on dirait. New York, ouais, ça veut défendre, ça veut bien figurer, hein, mais les gars, là, sur le dernier tour ou deux derniers tours, voilà, New York, pas de risque. Il a 10 secondes de pénal, t'en as 2. Bon, oui, oui. Pour distancer Smoke, ça va être chaud. Voit intelligent, voit le championnat. Eh oui. Ah, Gawel qui a envie de se montrer, il a bien raison. Mais 10 secondes de pénal. New York. Est-ce qu'il va tenter l'intérieur? Il retourne, bien sûr, Lorenzo, allez, tiens, vas-y, je te mets ça. Oh, il lui a mis sévère là, hein, quand même. Alors, prends une lettre encore une fois, Lorenzo. Là. Derrière, c'est à 10 secondes. Smoke, ça fait 2 fois dans l'herbe là. Ouais, faut qu'il se méfie, Smoke là. Les risques pour rester accroché. Ah, super baston là, les 3. Il peut rester accroché hein, sans prendre trop de risques, je pense. On est un peu plus zen. Ouais, déjà blesse. Putain, Z Manu, 30 5, secondes. Ah non, Jables, pardon. New York, tu vois, ces caméras qui me plaisent pas là. Ça se double trop sur les voitures. Ah oui, on voit pas forcément. Ah ouais, Gawel qui retourne au charbon. Il continue, il essaye, hein, il essaye. Smog, il est derrière, il s'en fout, Smog. Il est derrière, c'est Dieu, les gars, mais sortez-vous pas, je m'en bats les couilles. Oui, ça changera rien pour lui, de toute façon. Exactement. Et le gap sur. Faut pas qu'il se fasse emmener, quoi. C'est sur le dernier tour. Hein. Et dernier tour, Smoky, là. Smoky, dernier tour, ça y est, le temps est terminé. Alors là, dernier tour, Alonso. Voilà, un tour, il reste 3 secondes. Il a calé 8 secondes de mieux au tour. Bah, ça va passer, c'est sûr. Voilà, secteur 2, il va être au cul. Secteur 3, ça passe. Pareil pour Jobless, je pense. Jobless, qui le voit aussi, hein, devant Joker. Oh, attends, là, c'est la moitié d'un tour. Ouais, et Smoog, là, qui est encore à l'accroche. Smoog, à l'accroche. Il est à sa droite, la Gawel. Ah, attention, Smoog, elle est 2 secondes sur New York. Attention, il faut se faire distancer, quand même. Ah, Smoog, la course d'attente derrière Gawel, là. Garde la spi, attaque pas. Alonso, c'est une belle soirée encore, Alonso. Allez, Smog, pas d'attaque, là. Garde la spi. Lui fais pas peur. Voilà, restrage. Voilà, montre pas de décalage. Voilà, c'est bien. Et là, il tente un vieux dépassement pourri par l'intérieur, il se prend le rail intérieur. Oh, il est parti à la faute. Oh, il a réussi à rattraper. Smog qui a été patient, il a pas paniqué. Attention, les 2 secondes, là. Tout juste les 2 secondes. Et là, Alonso. Alonso, il reste 4 virages. Il reste 4 virages. Allez, chipper la P3. Je t'explique même pas comment. Joker, il doit se dire. C'est mort pour Joker. C'est mort pour Joker. Est-ce que Diablez. Oulala, j'ai réussi à l'inter sur Alonso. Oulala, attention à droite. Oulala, qu'est-ce qui se passe là? Joker qui est trop large, qui coince Alonso dans le mur. Ah, dommage, Joker. On aurait dit Senna à la course d'avant. Bon, voilà, t'as les pneus à la ramasse, ok, t'as voulu tout tenter, mais. Alonso qui. Ouais. Alonso qui va le passer quand même. Ouais, ça va passer, mais du coup. Jobless, P3, dis donc. Ouais, cousin, podium manette, super. Super. Incroyable, Smoky, incroyable. Jobless, podium. Jobless, c'est vrai, impeccable, il a fait une belle performance. Ouais, Alonso, P4, Joker, New York qui vont finir. Pas mal, New York qui sauve les meubles là. Il a réussi à résister à Gawel derrière, New York P6, il doit pas être mécontent. Alors les 2 secondes là. Bon, ça devrait aller. Ça passe. Non, mais bien sûr, hein, qu'à 10 secondes. Et. Smog. Et Smog qui passe. Qui passe sur New York. Hein. Oui, normalement. Ah ouais, donc Smog P6, New York P7. Et Gawel P8. Lorenzo P9, un peu décevant. Mazix Fred, dommage, qui a fait une très belle séance de qualification, la P2. Dommage, Fred, il est déçu. Il est revenu quand même. Senna, ouais. C'était pas le bon pronostic pour moi, là, c'est toi qui as gagné, encore une fois.
Gévalo sa place en D1. Gévalo qui sauve la D1 là, dommage pour Team Gaz et Manu. Bah non, mais Team va rester avec nous. Ah oui, pardon. C'était SR Zen Manu là qui est passé 15ème finalement. Qu'est-ce qui s'est passé pour Zen Manu là? Zen Manu qui a l'arrêt à 6 minutes. Il s'est passé quelque chose pour Zen Manu, on n'a pas vu. On l'a pas vu. Ah, il s'est passé un truc pour Zen Manu et ça va l'emmener les deux. Pas sur ah, merde. Et ça fait les affaires de Team, hein, du coup. Il était sauvé. Carrément, Team, oh, qui va être encore sauvé. Team, je crois que c'est la deuxième pétresse qu'il fait. Même la troisième. Mais en tout cas, Team qui tient le choc. Non, la deuxième, parce que Team, la semaine dernière, qui a fait du lourd. Par contre, Gaz, malheureux. Gaz malheureux. Il va faire le shérif en D2. Gaz malheureux. Bon, écoute, Smoky bien Smoky content de l'erreur de Star de Joker là. Ah, super, Yamcher pareil, hein. Yamcher Konziskat, on l'a pas trop vu. Pas trop de baston, mais il fait le taf là, il va être content à P2, Yamcher. Jobless. Incroyable. Alors, Jobless, incroyable. Premier top 3 d'un pilote à la manette là sur le championnat. Vraiment incroyable. Je peux dire que Gilles là. Bien joué. Il est content, le meilleur tour, on n'a pas surveillé, le meilleur tour est pour. Je peux. Alors, 50.2, ça tient. Ça tient pour Yamcher en 50.2, donc Yamcher qui nous fait une P2 avec un point bonus. Eh ben mon gars, Yamcher. Non, il est pas en 50.2, hein, il est en 50.526. 526, pardon. Mais oui, il est quand même premier. Je regardais l'unité d'après. Il est quand même premier. Yamcher qui va faire un bond. Il va repasser Alonso, il va repasser Smoke, il va repasser Gaz, il va repasser Corsica. Yamcher, il va faire une belle affaire là ce soir. Yamcher qui va se retrouver, à mon avis, en top 3. 78 points. Ah, il risque de revenir sur Gaz et Lorenzo. Ouais. Diables P14 qui remonte en DR ce soir. Top 3, mon gars, Diables. 62 points. Ça sent la P7, la P8. Alonso pas mal. Hein. P7 là, une P4, t'étais en galère. Il aime bien avec finir Yamcher en top 10 en première division, Jobless. Alonso, P7 ex aequo Yamcher. Yamcher qui fait mieux. Joker qui va être déçu. Mais bon, Joker, écoute, t'as envie d'en parler parce même. Que je m'aurais dit ça en début de course. Je t'aurais dit, non, mais jamais de la vie, les pneus pluie ils tiennent jusqu'au bout. Et on le voit, hein, dernier chrono en 2 minutes 3, je crois, 10 secondes de retard. Il perd 20 secondes. Hein. Il avait 45 secondes d'avance. Donc il perd. Incroyable. Il perd une minute. Voilà, quand on sait qu'un avance, 40 secondes. Choix, ouais. Les 20 secondes, bizarre le choix. Espion tordu qui est resté dans les stands, donc il aura les points. C'est pas espion tordu, c'est SR. Non, moi je vois espion tordu. Ah non, c'est espion, ok. Espion qui aura les points, bien vu. Espion qui aura les points de la dernière place, je l'ai pas vu. Z Manu, écoute, abandon 28ème tour. On arrête ça à 3 tours de la fin. Donc Gaz, Manu et Espion des deux. Team qui sauve, Valou qui sauve. Il y a Jacques et puis, Garde qui nous avait rejoint sur YouTube. Il disait bonsoir tout le monde, j'avais pas vu. Un sacré battle, oui. Fred. Joker. Merci pour le cast. Bonne soirée les gars de la part de Joker. Voilà, bon les gars, écoute, super course, hein, franchement, moi je me suis pas ennuyé là, le stop puits et non, tout ça. Non, c'est passé super vite là, quand ça passe super vite comme ça, c'est le jeu, voilà. Vraiment. Voilà. Carrément, bon, ça m'empêche pas d'avoir envie de pisser, du coup, je laisse continuer. Ouais, encore une fois, tu restes ici, je veux pas le savoir, faut rester jusqu'au bout du live, le contrat stipule jusqu'au bout du live. Donc j'avais une anecdote gars, qui dure justement 3/4 d'heure pour terminer. Va faire comme si j'étais parti, mais... Ouais, on va se donner rendez-vous, donc rapidement, jeudi prochain, on sera à Monaco, me semble-t-il, donc alors là, ça va faire mal, encore une fois, avec des rails partout et les scores au plus vite, je pense que ça va bien bouger là, donc tout le monde va être impatient de voir les scores, même s'il y en a qui font déjà des calculs, facile à faire. Merci à tous de nous avoir suivis sur le Racing Ball Live, on vous souhaite une bonne fin de semaine, évidemment un bon week-end, on se retrouve jeudi prochain, même heure, même bonne humeur, bye bye, ciao.